Et le 3, c'est fait, la voilà, manque encore une, voilà, c'est fait, ce qui nous fait 4, le compte y est, je suis bon. Ah non, ça non, non, hein, c'est inimaginable. Comment voulez-vous que ça se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Moi, rien. Ah si, c'est allumé. Ah ça oui. Mais t'es fou, complètement fou, éteins. Bon, comme vous voudrez. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Ah, j'éteins. Mais pas ça, imbécile. Alors quoi? Mais ça, il rallume les autres. Eh ben, faut le dire. Éteins, je te dis. Tu vois bien que je suis chargé, moi. Tu manques pas l'air, toi, hein? Oui, c'est vrai, j'ai du souffle. Ça va comme ça. Je t'avais dit de mettre 4 couverts? Bah oui, j'ai mis 4 chaises. Oh, 4 chaises, c'est bien, il y a mis 4 chaises, hein? Et les clients, tu leur sers le blanc de turbo sur du papier journal et la béarnaise dans la cravate pour faire saucière? C'est ça, les couverts. Oui, je sais, j'allais le faire juste au moment où... tu consommais de la bougie pour rien. Mais je croyais que... Non, tu ne crois rien. Tu n'as eu pas avant le service, c'est tout. Sinon, ça fait gaspillage. Et puis la bougie, ça sert à se repérer. Si c'est éteint, on s'en fout. Si c'est allumé, on se dit, tiens, il y a un pèlerin, alors on jette un œil. C'est juste, comme ça, on fatigue pas, inutile. Ouais, bon, ça va comme ça. Qu'est-ce que j'étais venu faire ici, déjà? Ah, oui, ça, c'est inimaginable. Mais non, c'est éteint. Mais je me fous de la bougie. J'ai dit inimaginable parce que c'est abruti. Le directeur a oublié de noter les réservations Rodriguez. Rodriguez? Mais attention, on dit monsieur Rodriguez. Mais vous, vous dites pas monsieur. Moi, je dis ce que je veux. Et toi, tu dis ce que je te dis de dire. Et tu dis monsieur Rodriguez. Même quand il est pas là? Oui, même quand. On dit toujours monsieur quand on parle d'un milliardaire. Oh, moi, les friquets, hein. Je ne veux pas le savoir, hein. Et si c'est moi qui commande, alors quand tu le verras, salue-le comme je le salue. Je dis pas le contraire. Chef. Chef. Je t'ai déjà dit de m'appeler chef. Oui, chef. Oh, puis te gratte pas comme ça, tu t'es assiette, voyons. C'est parce que je suis perplexe. Et on peut savoir pourquoi t'es perplexe? Eh ben, rapport à ce que vous me dites, il y a qu'à le mettre là, le friquet. Oui, et Martin et Renaud qui ont réservé cette table. Où est-ce que je les mets? Sur les yeux de Rodriguez? Eh ben, il y a qu'à rajouter une table là. Non, mais. Martin et Renaud ont réservé pour être seuls avec des bonnes femmes. Eh ben, y a qu'à mettre la Rodriguez en salle. Non, mais monsieur Rodriguez a aussi réservé le salon. Alors, bon, la seule chose à faire, c'est de le mettre là aussi. Oui, eh ben, c'est bien ce que je dis. Non, non, toi, tu dis là. Moi, je dis là. Alors, y a une nuance, là, quand même. Mais, chef... Qu'importe, mes chefs. Allez, apporte une supplémentaire tout de suite. J'essaierai d'arranger le coup le moment venu. Bien, chef. Et les pompes? Oui, chef, je vais pomper. Non, j'ai dit les pompes. Qu'est-ce que c'est que ces pompes? Ça, c'est des baskets. Merci. Jusque-là, je peux suivre, hein. Et peut-on savoir pourquoi les baskets? Viens du rayon dur. Pas le savoir, pompe de service. Mais c'est elles qui m'ont foutu le du rayon. Pompe de service, exécution. Bien, chef. Alors. Ah. Oh. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Raymond. Justement, je vous cherchais. Mademoiselle a réservé? Non. Ah, mais c'est que nous sommes surchargés en ce moment et je ne sais pas si je vais pouvoir faire déjeuner, mademoiselle. Mais j'ai rendez-vous avec monsieur Rodriguez. Oh, mais alors là, c'est tout à fait différent. En effet, monsieur Rodriguez a retenu pour deux personnes. Ah, là, c'est parfait. Et seulement, voyez-vous, à la suite d'un malentendu avec la direction, je me trouve déjà avec 4 couverts de retenue, là. Mais je préfère qu'il y ait un peu de monde. Ah oui? Oui, enfin bref, je ne tiens pas à être déjà en tête à tête avec lui. Voilà. Ah, voilà. Si c'est ça, je suis ravie d'apprendre à mademoiselle qu'elle pourra déjeuner, car voici justement sa table. Enfin, la vôtre. Vraiment? Mademoiselle? Vous êtes tout ça. Simplement génial. c'est très excessif, mademoiselle. C'est très excessif. Sans bougie, quand il n'y a pas de pèlerin. Ah, mais je viens de l'allumer quand j'ai vu cette pèlerine. Ah, mademoiselle est impatiente. Moi, non, pas du tout. Ah, je croyais. Non, parce que monsieur Rodriguez a réservé pour la nuit et il est à peine 25. Oui, dites-moi. Oui, mademoiselle. Vous ne savez pas qui je suis. Oh, mais si, très bien. Non, vous n'avez jamais vu. Ici. Oh, mais non, mais non, mais non. Allons, allons, pour me faire plaisir. Oh, mais non, mais non, non. Dans ces conditions, je crois pouvoir affirmer que j'ignore même jusqu'à l'existence de mademoiselle. Voilà. Oui, mais il fallait pas, hein. Mais puisque c'est pour me faire plaisir. Oh, alors, si c'est pour vous faire plaisir, alors je veux pas gâcher votre plaisir, hein. Et ben voilà. Et comme ça, vous ne gâcherez pas non plus le plaisir de monsieur Rodriguez. Car entre nous, j'ai beaucoup d'affection pour monsieur Rodriguez. Ah. Et ça, par contre, vous pouvez le lui dire. Ah, ça paraît difficile de parler de mademoiselle à monsieur Rodriguez si je lui ai dit que je ne connais pas mademoiselle. Oui, mais enfin, vous pouvez m'avoir trouvé inquiète de ne pas le voir arriver. Ah oui, ça je peux. Ah oui, oui, par exemple, vous avez plusieurs fois regardé votre montre. Voilà, par exemple, et vous en avez déduit que j'étais anxieux. Par anxiété? Voilà, c'est exactement cette anxiété-là que je ressens. Mais oui, bien sûr. Alors, comme pour nous résumer, mademoiselle est d'une anxiété que j'aurais très bien pu lire sur le visage de mademoiselle, sans pour autant avoir à parler avec mademoiselle, puisque je ne la connais pas. Eh ben voilà, c'est une anxiété qui se lit sur la figure. Oui, bien sûr. Oui, à ce niveau-là, la conversation devient inutile pour savoir à quoi s'en tenir au sujet de l'anxiété. Pourquoi il se gratte, votre garçon? Hein? Ah, oui, c'est parce qu'il est perplexe. Oui.
C'est un perplexe gratteur. Je commence à en avoir marre de cette perplexité, moi. Hein? Allez. Depuis le temps que je vous cherchais, vous êtes là. Oh, monsieur Rodriguez. Oui, bonjour, bonjour. Écoutez, je croyais vous avoir perdu avant de vous avoir trouvé. Allez. Ah oui, deux pèlerins à bougie, oui. Vous savez, j'étais là, je vous attendais. Ce maître d'hôtel m'expliquait que ce restaurant est tellement à la mode. Ah, oui, je disais à mademoiselle mon étonnement de ne jamais l'avoir aperçu ici, pas ne serait-ce qu'à l'heure de l'apéritif. Mais quel bonheur! Alors comme ça, c'est moi qui vais avoir la joie de vous faire découvrir la gastronomie parisienne. Mais dans la salle devant, il n'y a que des Japonais. Nippon! Pardon? Je dis Nippon! Qu'est-ce qu'il dit? Rien, il est perplexe. Ah, mais si, chef, vous m'avez dit que c'est un congrès de jaunes qui veulent mettre notre mironto sur leur tatami. Il est très rigolo, ce garçon. Merci, madame. Bon, maintenant, tu vas me prendre en chercher. Comme vous dites, chef, oui. C'est très curieux. Pourquoi est-ce qu'il reste plié en deux comme ça, comme un petit chien? Un petit chien. Ah! C'est un autrichien. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. C'est un apprenti autrichien. Ah oui, ils sont moins chers qu'ici. Bon, ils nous arrivent de là-bas par camion entier. Mais dites donc, c'est pas très légal tout de même. Oui, ben justement, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas trop en parler. Oh, vous avez raison, secret d'abord. Alors, comme je le disais à mademoiselle, j'ai été obligé de vous mettre là. Mais vous ne serez pas seul. Eh ben ça m'ennuie. Mais ça ira très bien comme ça, Roland. Vous savez bien, quand nous sommes ensemble, même dans la foule, nous sommes seuls au monde. Mais darling, voyons, darling, nous ne sommes pas vraiment seuls. Oh, monsieur Rodriguez, vous savez bien que je ne suis personne. Vous êtes extra. Non, mademoiselle, je suis à plein temps, 25 ans de maison. Je ne savais pas. Bon, si vous voulez bien prendre place, monsieur Rodriguez. Oh oui, faisons donc ça. Tenez, je vous en prie, installez-vous, pardon. Merci. Merci beaucoup. Ah, bah écoute, après tout, on n'est pas trop mal, n'est-ce pas? Oh oui, très bien. Alors? Ah, eh bien, il me semble que pour commencer, une petite note gazeuse vous mettrait bien en bouche. Qu'est-ce que vous en pensez, chérie? C'est quoi ce qu'il propose? Oh, mais quelle est Mimi, C'est un petit peu de champagne. Ah, la coupette! Enfin, je veux dire, une petite coupe. Oui, c'est ça, voilà. Alors, pour la marque, je vous fais confiance. Oh, monsieur Rodriguez, je ne peux pas me permettre de perdre un client comme vous. Pour la maison, Marcel. Bon, vous êtes toujours parfait. Oh non, vous êtes trop indulgent, monsieur Rodriguez, trop indulgent. Champagne, hop, millésimé. Exécution. Alors, il y a un truc que j'aimerais bien qu'on m'explique, c'est pourquoi il est tantôt droit et tantôt plié. Oui, alors ça, c'est assez compliqué à expliquer. Disons qu'à certains moments, il se déploie, oui. Et après, il se replie. Ah oui, c'est-à-dire qu'il reprend la forme qu'il avait quand il était dans le camion. Oh, on ne peut pas mieux dire, monsieur Rodriguez. Vraiment, vous êtes extraordinaire. Mais non, pas du tout. Vous savez, dans la vie, c'est très très simple, Raymond. Il suffit de réfléchir et on trouve tout. Oh, comme c'est juste, ça. N'est-ce pas? Oh, comme c'est juste. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous avez me regardé comme ça, chérie, ma darling? Je me trouve tellement intelligent que... Que quoi, darling, ma chérie? Ça donne la chair de poule. Oh! Enfin, je... Quoi? Oh, bah voyons! Si, je vous assure, je me demande si je serai à la hauteur de la hauteur que vous pensez que je suis à la hauteur. Mais je pense que vous êtes adorable et je vous adore, voilà. Roland, voyons! Oh, on nous regarde! Mais non, il n'y a personne! Roland, voyons! Vous avez appelé! Non! Si! Pour déjeuner, n'est-ce pas, Roland? Mais c'est ça, c'était pour déjeuner. Qu'est-ce que vous avez de bon? Alors, je pourrais peut-être vous suggérer notre spécialité exclusive que nous appelons Extase de Scheherazade. Ce n'est pas français, ça? Non, c'est du caviar d'Iran, mademoiselle. Oh, ben alors, dites-le, mon vieux. C'est ce que je fais, monsieur Rodriguez. Qu'est-ce que vous en pensez, chérie? Oui, caviar, c'est pas mal. N'est-ce pas, hein? Puis alors, on peut en manger sans faim. Oui, enfin, on s'arrêtera quand même. Non, je voulais dire, sans avoir un gros appétit. Bien sûr. C'est exactement ce qu'il me faut. Très bien, alors nous disons donc deux extases accompagnées de leur petit gratin. Du gratin avec le caviar? Ah oui, c'est ce qui lui donne son caractère hexagonal. Mais c'est un gratin de quoi? D'oursin de Mauritanie farci au museau de bœuf, nappé d'une mousseline de filet de sardine aromatisée au jus de veau. L'ensemble est doré au chalumeau, c'est une chose toute simple. Mais original! Ah, très! Et bien, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Ah non, ça sûrement pas. Qu'est-ce que vous en pensez, amour? Oh, moi, les oursins, non. Il y a trop d'arêtes. Je crois que j'aurais assez.
avec l'extase. Ah, oui, ah, oui, ah, oui. C'est ce gazeau-là, chef. Oui, pose de là. Je passe la commande. Deux extases sans gratin. Alors avec pomme, paillasson. Non, non, sans accompagnement. Je pourrais me laver les mains. Mais très certainement, mademoiselle. Vous m'excusez, Roland. Mais voyons. C'est que je ne sais pas où c'est. Marcel, conduis madame. Si madame veut bien donner la peine de me suivre pendant que je la précède, les pipis, c'est par ici. Elle est exquise. Ah, ça, monsieur, alors... Exquise, n'est-ce pas? C'est le mot, hein? Ah oui. Je ne sais pas qui est cette dame. Mais, demoiselle. Ouh, pardon. Oh, oui, eh bien, dites-moi, quand cette demoiselle vous attendait tout à l'heure, son visage reflétait... De l'impatience. Oh non, pas du tout. Non, non, moi, je dirais plutôt de l'anxiété, voyez-vous, une anxiété anxieuse. Alors, si je comprends bien, d'après vous, vous pensez que j'aurais des chances... Oh, alors là, monsieur Rodriguez, vous tenez une canne flèche. Ah, oh, vous me donnez chaud l'entoupe. Moi, j'en espérais pas, attends. Ah, merci, merci. Oh, dis donc, tout à fait entre nous, si jamais, par hasard, madame Rodriguez passait vous demander si vous m'avez vu... Cette question, monsieur Rodriguez. Non, parce que, n'est-ce pas, vous comprenez, je ne suis pas bien sûr qu'elle ne m'ait pas entendu quand j'ai appelé pour réserver. Ah, oui. Ça serait épouvantable. Oh là là, surtout avec le caractère qu'elle a. Ne m'en parlez pas. Alors, si jamais elle vient, ben, vous ne niez pas, vous dites que j'étais, je sais pas, avec un banquier. Un banquier, très bien. Oh, un banquier, vous trouvez que ça fait sérieux, ça? Ah non, mais pas bien, ça. Oh non, mais il me semble que quelqu'un en contact avec la nature inspire davantage confiance. Ah, oui. Comme un agriculteur, un vétérinaire. Ah oui, des gens qui... voilà. Ah bah oui, allez, allons-y pour le vétérinaire. Oh, monsieur Rodriguez, ah, vous êtes trop bon, c'est... vous trouvez comment? Ben, j'en sais rien, moi. Essayons-le. Oui, moi aussi, je peux... Ben, comment, bien entendu, ça va de soi. Hein. Vous êtes trop bon, monsieur Rodriguez. Ben non, ben non. Bon, alors, ouais, vous allez voir au gosier. C'est du velours, hein. Eh bien, goûtons ce velours. Alors... Hein? Alors, hein? Hein? Ah oui, ça, je dois dire... Quel charme, quelle élégance, on est transporté, hein. Ah oui. Oh, darling, je m'inquiétais déjà. Ah, voyons, pourquoi? Vu que c'était urgent, j'ai fait ce qui était possible. Monsieur Rodriguez, c'est impatienté. Oui, 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 pour boire. À nous. Ah oui, à nous. Ces messieurs, dames, continueront sur cette lancée. Elle est parfaite. Très bien, Marcel. Alors maintenant, darling, ne dites rien et fermez les yeux. Attention, voilà quelqu'un! Je m'en fous! Et ma réputation, voyons! Mais oui, je sais bien, je vous demande pardon, mais vous me mettez dans un état... Moi, et voici la création dont je vous ai parlé. Regardez-moi si c'est beau. C'est ça, l'extase? De Scheherazade, oui, monsieur. Et c'est du caviar? Garanti. On dirait un gros yaourt. Oui, c'est que... Pour vous, j'ai un peu forcé sur les portions. Non, c'est pas ce que mademoiselle veut dire, mais en général, le caviar, c'est quand même beaucoup plus foncé. C'est peut-être le palmier qui lui a fait de l'ombre, qui l'a empêché de bronzer. Ah non, 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 le palmier a été rajouté par le directeur. Oui, il lui reste un stock depuis les bûches de Noël, alors il cherche à s'en débarrasser petit à petit. Mais oui, mais alors si le palmier n'y est pour rien, pourquoi est-ce que ce caviar est tout blanc? Alors là, n'est-ce pas, nous avons deux possibilités. Certains affirment qu'il s'agit d'une nouvelle pêche et que les œufs à peine sortis de l'eau n'ont pas encore eu le temps de s'oxyder. D'autres, enfin, soutiennent au contraire qu'il s'agirait plutôt d'esturgeon albinos. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est très très bon, hein. Maintenant, si vous ne trouvez pas ça assez relevé, vous pouvez toujours ajouter un peu d'aïoli. Madame, monsieur, je vous souhaite le bonjour et le bon appétit. Merci beaucoup. Il a l'air vexé. Mais non, mais non. Ah, darling, darling, darling. Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus... Je ne dors plus. Oh, mais pourquoi donc, Roland? Mais parce que... Je vois partout votre... Mon quoi? Votre corps, votre silhouette, et je l'attrape dans le vide, alors que je vous veux à moi tout entière. Il ne peut pas vous emballer comme ça, Roland. Oh, si, 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 je me laisse aller à fond. Mais Roland, j'ai ma vie, voyons. Mais oui, je sais bien, mais enfin, c'est tout de même pas parce que vous êtes au Parlement européen, interprète de... je ne sais plus quoi, d'ailleurs. De Java Kistanek. Oui, c'est ça, de déjà... mais entendu parler. Ah, c'est un dialecte assez rare, je vous l'ai dit. Et c'est pour ça qu'il faut que je sois toute la semaine à Strasbourg pour traduire s'il y a une demande de Java. Oh, oui, de Java, oui. Non, de Java Kistanek. Mais enfin, c'est tout de même pas votre métier qui peut nous empêcher de nous aimer. Ah, ça, bien sûr que non. Eh ben alors, si vous m'aimez, donnez-vous que je vous prenne. Oh, mais Roland, mais bien sûr que je vous aime. Mais
Mais pour que mon bonheur soit complet, il faut qu'il soit officiel. Attendez, il y a un truc qui m'a échappé. Officiel, officiel. Alors, si j'ai bien compris, vous accepteriez de me donner votre main? Si vous me la demandez, avec ma main, le reste suivra. Le reste? Bah oui, quoi, vous aurez tout le corps. Tout le corps avec la muscule? Alors? Eh ben, c'est d'accord. Non. Mais si, puisque je vous le dis. Oh, que je suis heureuse. Moi donc, je vais enfin pouvoir souffler dans l'olifant. Souffler dans quoi, Roland? Dans l'olifant. C'est un petit corps, c'est une sorte de trompette qui parle. Oui, l'olifant, oui. Mais pourquoi voulez-vous souffler là-dedans? Mais pour célébrer ma victoire. Alors, comme Roland, je souffle dans l'olifant. Pouette! Alors, emmenez-moi chez vous. Oh, chez moi. Mais c'est difficile. Bah pourquoi? Mais pourquoi? À cause de mon personnel, vous comprenez? Non, pas du tout. Mais si, parce que je voudrais que vous entriez chez moi par la grande porte. Ah, vous voulez dire qu'on soit mariés d'abord? Oui, c'est ça, qu'on soit mariés d'abord. Alors bon, pour ce soir, allons plutôt chez vous. Ce serait pas convenable. Je m'en sois jamais d'homme, vous pensez? Mais si je vous donne un gage. Un gage? Oui, je pourrais vous apporter un petit peu de pétrole. Du pétrole? Oui, j'ai 35 pieds au Texas, alors... Oh, Roland, comme c'est bon, un homme qui sent le pétrole. Vous êtes si fort, Roland. Eh bien, je viendrai ce soir signer ce pacte d'amour. Roland, voyons, vous me décoiffez! Alors, comment est-ce que vous avez trouvé mon extase? Extra, extra! Ah ben, vous y avez à peine tenté. Ben oui, ben j'avais autre chose à tâter. Friandise digestive avec les cafés. Café, darling? Non, pas moi. Et vous non plus, vous êtes déjà assez énervé comme ça. Énervé, bon, vous laissez tomber et vous m'apportez l'addition. Si comme vous voudrez, monsieur Rodriguez. Ah, de toute façon, la maison vous offre le cigare. Oh, elle est trop bonne. Alors, comment est-ce qu'on fait? Écoutez, je ne sais pas, moi, le temps que je m'organise, je peux être chez vous vers 8h, 8h30, ça va? Idéal. Ah, j'ai pas votre adresse. Voilà, il y a marqué interprète. Vous suivez la flèche? Ah oui. Oh, mais regardez, mais vous m'avez complètement ravagée. Mais je ne peux pas sortir comme ça, de quoi ai-je l'air? J'attends ma note. Le temps que vous payez, je vous retrouve dehors. Oh, darling, vous me mettez dans un état. Mais ça va s'arranger, vous allez voir. Ça va s'arranger très, très bien. Monsieur Rodriguez, voilà. Il est gentil, lui, avec son... Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, bah bien. Alors, voyons voir comment ça marche, cette affaire-là. Alors... Bon, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Eh ben, dites donc. Eh oui, un mois de salaire. Eh ben, vous êtes bien payé, mon vieux. Mais à vous, on vous donne le cigare. Ben, je vais vous dire, à ce prix-là, je comprends qu'il soit compris. Hein. Dites donc, ça a l'air d'aller mieux, vous. Quoi donc? Ben, rapport du coinçage. Où les coinçages? Ouais, dans le camion. Quel camion? Le camion d'Autriche. D'Autriche? Oui, non, je sais bien qu'il ne faut pas en parler. Oh, ça, moi, je vous en empêche pas. Also, du sprichst Deutsch? Pardon? Non, je dis also, du sprichst Deutsch, bon... Ah, yes, yes. C'est de l'anglais, ça. Je dis pas le contraire. Mais pourtant, en Autriche, on parle allemand. Oh, ça, en Autriche, ils font ce qu'ils veulent. Oui, ça, bien sûr, mais... Donc, vous parlez allemand? Moi, pourquoi? Mais puisque vous êtes autrichien. Autrichien, moi? Je suis de Gennevilliers. De Gennevilliers? Oui, c'est un Autrichien originaire de Gennevilliers. C'est extrêmement curieux. Eh ben oui, parce que ben non, mais c'est le Gennevilliers qui est en Autriche, hein, n'est-ce pas, Marcel? Si vous le dites, chef. Mais je savais pas qu'il y avait un Gennevilliers en... Ah ben oui, ils en ont un maintenant, hein. Ben, c'est le Gennevilliers des Hauts-de-Seine, n'est-ce pas, qui est jumelé avec le Gennevilliers du Bas-Tyrol. Gennevilliersbourg, ça s'appelle, c'est un petit patelin tranquille. Ben oui, ça doit être pour ça que je connais pas. Alors. Mais très certainement, monsieur Rodriguez, très certainement. Dites-moi, pour la carte, je signe en sortant. Oh, ben bien sûr. Et ça, c'est alors... Ben ça, c'est pour vous.
Vous êtes trop beau, bon, sérieux. Pour l'Autriche, j'ai dû louper une marche. Donc, Raymond, Raymond, Raymond. J'ai bien senti qu'il ne voulait pas parler de ce trafic d'apprentis. Ah, vous avez vu, vous? Mais tenez, posez-vous dans deux minutes. Oh, 5 minutes, oui. Mais dites-moi à propos, c'était pas question de vous marier, vous, à une époque? Oh, vous savez, quand on vit depuis 5 ans avec la même personne... C'est presque comme un mariage, hein. C'est très compliqué, il faut aller en Hollande. Hollande? Ah oui, ah oui, 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 il n'y a que là-bas qu'on est marié légalement. Ah bon, je ne sais pas. Mais si. Alors, on remet, on remet, on remet. Et comme Henri déteste les voyages... Bah, bah bien sûr. Bien sûr, cette pauvre Henri, au bout d'un moment, elle doit en avoir. Mais alors, ça, Henri, bien sûr, Henri. Mais je ne savais pas que... Ah ouais. Chacun ses goûts. Oh là là, je ne dirais pas le contraire. À chaque petit animal, son petit plaisir. Enfin, quoi qu'il en soit, est-ce que vous pensez que la maison pourrait être livrée un petit quelque chose ce soir chez Mlle Darling? Mais très certainement, Monsieur Rodriguez, nous sommes traiteurs. Je vais m'en occuper. Alors, avec champagne, bien sûr. Oh, bah, cela va de soi. Qu'est-ce que vous avez dit de facile? De facile. Bon, alors, si on ne veut pas envoyer une roulante, il faut faire du froid. Oh, bah, bon, bah... Faisons du froid. Alors, de froid, qu'est-ce que j'ai de froid ce soir? Ah, un cardinal des mers dans son corps cette soirée. Excusez-moi, mais je ne comprends rien. C'est du homard. Ah, bah voilà. Vous voyez, il y a beaucoup d'azote là-dedans, ça donne des forces, ça. Vendu le homard, et avec? Avec, eh bien, il est naturellement escorté de son voyage en Pays d'Armor. C'est un voyage organisé. Disons que c'est un émincé léger d'algues bretonnes déglacées au caramel, incorporé ensuite dans un hachis de goyave et servi avec un flan de moule au roquefort. Et c'est bon, ça? Personnellement, je suis pas client, mais enfin, ça se mange, hein, surtout si on pense à autre chose. Ah oui, ça lui va falloir, oui. Et le corset, c'est quoi? Ah ben, le corset, c'est le costume, c'est la carapace de la bête. Ah oui, c'est une garniture. Oui, enfin, on le met surtout pour bien montrer que c'est du homard. Parce qu'on peut pas le voir sans ça. Difficile à reconnaître, comme il a été turbiné au mixeur. Ah oui, ça lui va. Ce qui fait que dans le fond, vous pourriez mettre n'importe quoi dans ce corset. Et entre nous, ne le répétez pas, mais en cuisine, il l'a fait, ce salaud de chef. Non. Si. Avec du merlan surgelé qui avait rompu la chaîne du froid. Quelle horreur! Et personne n'a rien remarqué? Pensez-vous, pas une indigestion, pas une plainte, rien. Non mais même maintenant, avec les fast-foods, vous leur faites bouffer n'importe quoi. Mais soyez tranquille, hein, le chef a écoulé tout son merlan. Eh ben ça me rassure. Oh pardon, monsieur Rodriguez. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Merci, bien. Dites-moi, j'ai rendez-vous avec deux femmes. Ah, tous mes compliments, monsieur Renaud. Oui, enfin, deux femmes et un homme. Ah, un homme pour deux femmes? Non, une pour chacun. Moi, je suis l'autre homme. Ah, carrément, hein? Compliment, hein? Mais bon, bah, laissez. J'ai téléphoné pour retenir. Ah oui, c'était avec monsieur Martin, n'est-ce pas? C'est bien ça. Mmh. Je suis toujours le premier. Ah, bravo! C'est bien, ça. Bravo. Je veux dire, je suis le premier arrivé. Oui, oui, ça vous l'est. Bravo, c'est bien, hein? Très, très bien. Maître Hôtel. Ah, oui. Ah, monsieur Rodriguez, oui. Dites-moi, oui. Pour les cigarettes. Ah, alors, vous voyez avec la vestiaire, monsieur Rodriguez. Je vous en prie. Allô, allô. Oui, là. Ah, ben, passez-la moi. Ah, bonjour, madame Rodriguez. Oui, c'est ça, oui, bah, monsieur Rodriguez est un... Il est... Oui, c'est ça, il a retenu pour deux personnes. L'autre, bah, c'était un vétérinaire agriculteur, je crois. Oh, mais monsieur Rodriguez, il est reparti depuis longtemps, maintenant, hein. Ah, bah, le veto agricule aussi, oui, c'est ça. Eh bien, bien respect, madame Rodriguez, bien respect. Merci. Merci beaucoup. Oh, mais non, c'est moi qui vous remercie 1000 francs. 1000 fois, pardon. Oh, dites donc, avec toutes ces émotions, j'ai complètement oublié de vous donner l'adresse de mademoiselle Darling. Oh, bah, celle-là, je la connais. Oh. Comment ça? Eh, si. Oui, ben, non, je veux dire que celle-là, on me l'a faite. Souvent, on me l'a faite. Quoi donc? Eh ben, d'oublier. D'oublier de me dire l'adresse. Alors après, dehors, on sait plus où aller, hein, avec le panier. Ah oui, ça, bien sûr, oui, bien sûr, mais enfin, vous savez, ce sont des détails auxquels on ne pense pas toujours. Ah, ouais, faut être vigilant. Oh, hein. Ben, je comprends bien. Alors, c'est chez mademoiselle Darling, chérie. Ah oui, ça, je sais que vous y tenez beaucoup. Oh là, mais non, c'est son nom. Alors, ça s'écrit C-H-A-I-R-Y. Et chérie, comme ça? Ah oui, alors, c'est 55 rue des Acacias. Il y a marqué... Interprète. Mais comment savez-vous ça, vous? Hein? Ah ben oui, comment? Non, je veux dire que c'est tout à l'heure, qu'en passant, là, eh bien, j'ai cru entendre qu'elle vous disait qu'elle était interprète.
interprète de... je ne sais plus quoi. Parce que vous voulez en faire, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous avez bien raison. Ah, ah, le pouls. Ah, monsieur. Ah, allez, Raymond. Oh, non. Allez. Oh, c'est sympathique. Je compte sur vous. Oh, oui, mais c'est déjà parti. On prend ça en main. Et bonne journée. Marcel. Ah, monsieur Raynaud, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Non, la vestiaire est aux toilettes. Ah bah oui, il y est tout le temps, hein, c'est son poste. Oui, non mais là, elle est enfermée chez les dames. Ah, la serrure est coincée? Du tout, elle y est, paraît-il, pour une nécessité personnelle. Ah bah oui, et hier déjà aussi. Vous ne m'avez jamais vu ici. Ah, mais si, très souvent. Non, pas du tout. Vous ne me connaissez pas. Ah, mais c'est même la première fois que je vous vois, hein. Et c'est monsieur. Ah, très bien, vous comprenez. Allez, dites-moi. Vous m'avez appelé, chef? Oui, débarrassant, vitesse. Modifiez, monsieur. Oui, est-ce que vous pourriez envoyer pour moi un message téléphoné? Oh, mais c'est enfantin. Ah, oui. Confidentiel. Oui, oui. Alors, c'est adressé à... Mademoiselle, darling, chérie, C-H-A-I-R-Y. Vous connaissez? Hein? Non. Ensuite? 55 rue des Acacias. Sia. Le texte. Ah, le texte. Il n'y a pas de raison. Zon. Z-O-N. Il y a quelque chose qui va pas, monsieur, hein? Non, non, ça va bien. Bon, alors ensuite... Zon, alors? De faire la grève de la mour... Mour! Sous prétexte... Texte! Que c'est la grève des interprètes. Prêtes! Oh, les interprètes sont en grève? Ah oui. Général, illimité. Je ne savais pas. C'est dans tous les journaux. Ah oui, mais je ne les achète jamais. Comme les nouvelles changent tous les jours, j'évite une dépense inutile. Hein. Alors, après. Quel week-end de rêve à ce soir, ton gros Robert? Père! Oh, monsieur n'est pas si gros que ça, allez! Ah non, c'est pas rapport au ventre. Ah bon? Tous mes compliments, monsieur Raynaud. Ça ira pour les frais? Oh, amplement. Que ça parte tout de suite, hein? Ben oui, je m'en occupe tout de suite. Genre, je vais voir avec la vestiaire si elle a terminé pour moi. Non, comme les autres ne sont pas arrivés, je vais aller jusqu'au tabac, ça me fera patienter. Hein? Pas de promenade, hein? Le cul, toujours le cul. Alors, Marcel, encore perplexe? Que vous venez, chef? Ouais, ben viens plutôt me donner un coup de main. Bon, maintenant, explique-moi, qu'est-ce que c'est que cette manie de rester plié en deux, comme ça, comme un abruti? Bah, comme vous vous êtes plié... Je ne me suis jamais plié. Jamais. Je me suis incliné devant M. Rodriguez. Comme c'est vous le chef, j'ai cru qu'il fallait que je sois plié plus bas. Tellement bas que j'ai dû te faire passer pour un étranger. Pour qu'il parle en français de plus, qu'il a l'air aussi con, il y en a déjà, c'est comme ça. Ah! Quand je me suis adressé, il fallait faire comme moi. Mais je savais pas. Mais je savais pas. Mais à quoi tu penses, hein? À quoi tu penses? Moi? Oui, toi. Là maintenant que vous me parlez? Oui, là maintenant que je te parle. Eh ben, je pense à une gonzesse à poil avec des bas noirs et des souliers roses. Bordel, c'est pas vrai, ça, hein? C'est comme je vous le dis. Pensez à ça, en plein service. Mais pour Dieu, où allons-nous? Ah, ça, non, c'est vraiment rien. Oui, moi non plus, comme je le saurais pour maintenant, passons. Bon, alors, qu'est-ce qui manque ici? Moutarde. Non, cornichon. Les cornichons, vite les cornichons. Pense qu'au cul, mais c'est oublié les cornichons, hein? Voilà, chef, question cornichon, j'y suis. Bon, et un saut de glace pour les apéritifs. Allez, oui, chef. Exécution. Hello! Eh ben voilà. Eh ben ici, ils n'y sont pas non plus. Eh ben tant pis. En tout cas, c'est très bien. Parfait, tout ça. J'ai peut-être juste le temps. Allô, la réception? Oui, ici, monsieur Martin. Dites-moi, j'ai un déjeuner dans le salon réservé. Oui, voilà. Est-ce que vous pourriez envoyer un message urgent? Oui? Bon, alors, mademoiselle Darling. Darling, chérie, C-H-A-I-R-Y, 55 rue des Acacias. Voilà. Alors, le texte. Je vais profiter de cette belle grève pour passer un week-end de rêve. Oui, c'est tout, il comprendra. Attends-moi, j'arrive, ton petit Richard.
Que va? Ah, votre prénom, c'est Richard. Eh ben, tant mieux, mademoiselle. Merci, au revoir. Oh, mais que ça se goupille bien, tout ça. Que ça se goupille. Ah, monsieur Martin. Oh, bonjour, ça va bien? Oui, on fait aller, monsieur Martin. Vous vous tombez bien, hein? Ah bon? Oh, j'ai une de ces soifs. Ah, ben, qu'est-ce que je vous sers? Un bon whisky, bien glacé, bien tassé. Ah, je vous fais ça tout de suite. J'ai vu que c'était notre table. Oui, alors, monsieur Renaud a téléphoné pour confirmer. Aucun risque que j'oublie. Ah, merci. Monsieur Renaud vous a parlé de moi? Absolument pas, il a réservé, vous avez réservé, c'est tout. Non, mais c'est surtout rapport au canon, vous voyez. Au canon? Oui, les deux nanas que... Oh, pardon, excusez-moi, je ne connaissais pas l'expression. Donc, vis-à-vis de ces petits canons, moi, fuit. Ah, fuite. Vous ne me connaissez pas? Ah non? Eh ben non, puisque je suis jamais venu ici. Hein, un autre? Ah, mais si, vous êtes venu. Non, je suis jamais venu. Ah non, vous jamais vu. Ah non, c'est jamais. Voilà. Oh là là, il n'est pas là. Voilà, il n'est pas là. J'ai rien vu. Je garde, mais j'ai plus rien sinon. Oh bah, vous me paierez la prochaine fois. On y doit un verre, hein? Oh, vous avez jamais pendant le service. Oh, bop, bop, bop. Moi, c'est pas le service, là, vous accompagnez la clientèle. Ah, dans ces conditions, voilà. Mais à la vôtre. Oui, oui, et bon. Vous avez des cigarettes? Ah, pas du tout. Mais monsieur Renaud est parti en chercher. Hein. Ah bon, je le rejoins, ça me détendra. Ah oui, alors si vous voulez aller plus vite, vous passez par le vestiaire et vous verrez, c'est la première rue à 25 mètres. Je connais, merci. Ah. Mais non, vous ne pouvez pas connaître, puisque vous n'êtes jamais venu. Alors vous êtes vraiment extra. Ah. 25 ans de maison. Oh, ils auraient quand même pu nous attendre devant la porte. Mon gros, lui, il est toujours en retard. Et Riri, qui devait venir nous prendre avec la jague. Ben oui, mais c'est les surchargés. Ça, c'est lui qui le dit. Oh, mon gros, il dit pareil. Total, Riri, je sais jamais où il va, ce qu'il fait. Il nous traite vraiment comme des machos. Moi, plus c'est macho, plus j'aime. N'empêche qu'ils prêtent un peu moins macho rapport à ce qu'on les aime, les machos. Macho, macho, ouh, ras le chapeau. Mais puisque maintenant, ça y est. Ça y est, mais ça fait 5 mois qu'on doit se marier, ça fait 5 mois qu'on joue ce rôle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout, on peut tout faire, y a qu'à vouloir. Qu'à vouloir, facile à dire, hein. Pas facile à faire. Mais tire pas dessus, tu vas les décoller. Ouais, et ben n'empêche que c'est grâce à eux que je l'ai accroché, mon gros. Deux yeux, toi, Riri, tu l'as bien eu en balançant ta forêt. Et pourquoi pas? Remarque, heureusement qu'il a pas tiré dessus, hein. Il serait resté dans la main. Non, mais vas-y, dis-le si tu veux que je te balance bêtement du dissolvant pendant que tu manges ta biscotte. Bonjour les dégâts. Ouais, et ben quand on a des tifs bidons, on n'embête pas celles qui ont des griffes bidons. Bon, d'accord, on parle d'autre chose. Résumons. Maintenant qu'on en est là, il faut presser le mouvement vers la mairie. Bon, bah ça, je te suis, je te fais confiance. Parce que le salon... Ouais, ras les rouleaux. Cha-cha, macho. Cho-cho-cho, ça va, macho, macho, bobo. Youhou, bobo. Oh, qu'est-ce que j'ai chaud. Ah, regarde, là, il y a à boire. Ah oui? Non, mais tu rêves? Moi, c'est du millésimé ou rien. Je supporte pas autre chose depuis ma nourrice. T'es forte quand même. T'as raison, ma bichette. Moi, j'en ouvre 2 pour 4 yeux. Oh, tu l'as, ma beauté. Eh ben, tu vois bien. Je viens de dire, il y avait personne. Forcément, on arrive à pied plus vite qu'avec ta jarre. Eh ben, fallait prendre un taxi. Oh, oui, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Alors, ma mignonne, tu en as pour sauter le pas? Ah oui, si, ça dépend de... Ça dépend de personne. Quand on s'engage, non? Mais oui, et alors? Avec un déjeuner comme ça, hein? On peut pas s'engager plus? Alors, où est mon copain? Enfin, on s'est pas vu souvent, hein? Forcément, tu venais pour manucure! Et lui, pour le shampoing! Total, tu vas te marier avec le shampoing! Et mon gros, avec manucure! Ouais, des choses bizarres, parfois! Oui, hein. Ah, ouais. À partir d'aujourd'hui, on se quittera plus! Oui, enfin, il y a des affaires, hein, quand même, ou pas! Bonjour tout le monde! Ça va bien? Bien, et toi? Ah, bah, tu vois, on se supporte! Oh, alors, ma beauté! Toujours aussi belle, ma dada, hein? Oh, bah oui, je vois! Ah, non, pas maintenant! Bon, mais pourquoi pas maintenant? Eh ben non, pas maintenant non plus. Bon, alors dites donc, les filles, là, qu'est-ce que vous avez avec cette manie de pas maintenant? J'ai fait un rinçage à l'huile, ça va te graisser. Ah oui. Dis donc, regarde, c'est fou ce que ça fait pousser, l'huile. Oui, ça, je dois dire. Tu te mettrais pas un petit peu d'huile, toi aussi? Eh, ça fait partie des soins, mon gros. Bon, mes enfants, quoi qu'il en soit, c'est un grand jour. Ouais, il faut l'arroser. Moi, j'ai une soif, alors dis donc, je pense que j'ai la soif comme ça. Dis donc, y a pas de champagne? Oui, on n'est pas venu là pour sécher. Oh. Il arrive, Jean-Marie. Mais tout est. Bon, j'ai besoin d'un petit coup de peigne, tu viens? Ouais, j'en profitais pour me cirer les ongles. Oh là, les toilettes, c'est là-bas. Hein? Comment tu le sais? Moi? Ben oui, puisque c'est la première fois que tu viens. Et alors? La première fois que je viens, mais
Mais ça m'empêche pas de m'arrêter avant d'arriver jusqu'ici. Ça t'empêche, toi? Mais ça ne m'empêche pas. Hein. Alors? Oh, j'ai jamais dit le contraire, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Moi, je ne m'énerve pas. Je ne m'énerve, tu t'énerves? Oh, je ne m'énerve pas. Moi. On s'énerve pas? C'est fou, ça, les femmes ne croient jamais ce qu'on leur dit. Oui, mais peut-être parce qu'elles sont tellement menteuses, elles pensent toujours que les autres sont comme elles. Oui, Alors toi, pour mettre de l'huile sur le feu, pardon? Eh, moi, de l'huile, j'en mets nulle part, sauf dans ma jague. Et il va quand même pas vidanger son moteur pour faire pousser tes cheveux. Oh. Ils sont bêtes, mais ils sont bêtes. Oh, et ils se croient intelligents. Le comble. Ah oui, alors. Le comble. Oh, je te jure. Oh, je te jure. Les bonnes femmes, elles sont insensées. Ouais, c'est pour ça qu'on les aime. Hein. T'en veux un? Oui, un petit. Voilà, c'est en pétant, parce que Doro lui est envahissant. Oui, mais c'est... Oui, c'est comme Dada, mais alors moi je lui raconte n'importe quoi. Plus c'est gros, plus ça passe. Eh ben la preuve que non. C'est bien parce qu'elle nous harcèle qu'on en est là. J'étais contre ce déjeuner, moi j'étais contre. Mais puisque c'est bidon. Mais elle s'y croit dur comme fer à ses fiançailles. Ça. En plus, j'ai un gros client qui vient de me tomber sur le poil. Mm-hmm. Et Doro sait pas que cette affaire va me prendre tout le week-end. Ah, j'entends déjà sa question préférée qui se pointe. Et celle-là, c'est une vraie plaie. Alors, j'irai te rejoindre. Enfin, la merde, quoi. Très embêtant. Oui, je te le fais pas dire. J'étais contre ce déjeuner. J'étais contre. Oui, non, je dis, c'est très embêtant parce que moi aussi, je suis un petit peu dans le même cas. Ah oui, t'es un client? Oui, enfin, c'est une tante. Oui, bah, qu'il en soit ou pas, ça change rien. Hein. Oui, non, mais là, c'est une véritable tante à moi. Ah, oui, ton client, c'est ta tante. Mais je t'ai jamais dit que c'était un client, c'est ma vraie tante, après c'est tout. 80 balais, un pognon géant, elle m'adore. Et moi aussi. Et elle vient de m'appeler. Et quand ma tante m'appelle, je réponds présent. Et ben ouais, le problème. Ah, et ben d'une part, c'est que ma tante est toujours à cheval. Oh, et monte encore à son âge. À cheval sur les principes. Ah oui. Et quand je vais dire à Dada. À ta tante. À Dada. À Daphné. Ah oui, je mélange les chevaux là. Quand je vais dire à Dada que je dois aller voir ma tante ce week-end, elle va pas vouloir me décramponner. Ah, oh, j'étais contre ce déjeuner, moi. J'étais contre. Oui, tu l'as dit. Oui, ben je dirai jamais assez. J'étais contre. Mais ça peut peut-être s'arranger si c'est toi qui expliques à Dada que je dois aller chez ma tante. Et que toi, tu dises à Doro qu'une femme dans les affaires, ça perturbe et qu'il vaut mieux me laisser seule avec mon client. Par exemple. Ça, c'est toujours plus facile de vendre des salades. Quand on les vend pour un autre. Marchons comme ça. T'en veux une autre encore, monsieur? Ah, moi, j'ai une soif, alors dis-donc. Ah, oui. Je pense ça va, les boys? Y a rien à dire, hein? Non, y a rien à dire. Vous vous entendez toujours aussi bien? Eh ben, de ce côté-là, y a rien à dire non plus. Oh, ils ont commencé à boire sans nous. On avait soif. Oh, et le champagne. C'est messieurs l'âme désir. Nous avons réservé. Oui, au nom de Martin. Et Renaud. Oh, oui, en effet, monsieur Renaud. Monsieur Martin. Non, non, c'est le contraire. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, c'est Martin, moi c'est Renaud. Oh, non, je suis désolé, mais vous savez, quand on ne connaît pas, on peut pas lire le nom sur le visage. C'est bien évident, hein. Alors, oui, c'est ça. Alors, donc, vous, c'est monsieur Renaud. C'est bien ça. Voilà, et vous, c'est monsieur Martin. C'est bien ça. C'est ça. Et moi, je suis le maître d'hôtel. Voilà, oh. C'est ça. Et c'est bien la première fois que ces messieurs me font le plaisir d'honorer cet établissement. Et une première. Oh, une toute première. À baptême, en somme. Ah non, c'est pour un repas de fiançailles. De fiançailles? Puisqu'elle vous le dit. Ah oui. Ah, remarquez que des fois, après les fiançailles, on a vu des baptêmes. Oh oui, ça oui. Oui, mais pour le moment, on va... Pour le moment, on va déjeuner, déjà, oui. Oui, ah oui, écoutez, prêt pour le grand jeu. Je vais donc vous présenter le grand menu 5 étapes que vous avez commandé. Il commence par... Ah non, faut rien dire, on aura la surprise. Oh oui, comme ça, on saura pas ce qu'on mange. Comme vous voulez. C'est copieux, moi. Très, ça, il faudra dégrafer les jupes, détacher les ceintures. Ah, c'est le contraire que dans l'avion. Il y avait bien du champagne de prévu. Oui, oh pardon, c'est comme s'il était là. Bon, et ben moi je vais aller me laver les mains. Oh bah je t'accompagne, tiens. Oh bah traînez pas en route. Oui, une seconde de patience. Une seconde. Oh bah alors 5 minutes, pas plus. Toujours impatiente, jamais satisfait. Et vous serez contente un jour ou l'autre, oui ou... Vous êtes seule? Oui, pourquoi? Parce qu'elle a perdu son sac. Oh, c'est agaçant, ça. Oh, ça, c'est agaçant. Oui, n'est-ce pas? Alors, je le cherche. Ah, à moins que vous ne l'ayez laissé au vestiaire, attendez. Mais je l'avais en venant, je me suis regardée dans le poudrier ici, donc il est forcément là. Bah, il devait être ici. Oui, en fait, il doit être là. Oh, regardez, le voilà. C'est bien ce que je vous disais. Pardon pour le dérangement. Hein. Je raccompagne madame et je reviens. Faites! Au revoir, mesdames. Au revoir, madame, et bonne journée. J'étais contre ce déjeuner, moi, j'étais contre. Mais, oh, ben vous faites bien d'arriver, on a attaqué le millésime sans vous. Mais ah bah ça,
Le champagne, c'est plus agréable à avaler que ce qui lui arrive. Quoi, qu'est-ce qui lui arrive? Ah bah, il vient d'appeler son bureau. Alors? Ah bah alors, il a un client. Oh, il n'y a pas de client le samedi. C'est comme nous, nous n'est bien fermés, nous, le samedi, hein. Hein? Oui, sauf si samedi, ça tombe un réveillon. Oui, enfin, donc tes clients n'appellent pas de samedi. Ah ça, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ah bah, des... Non, mais arrête de parler pour lui. Bon, alors vas-y, explique-lui ce que tu viens de me dire. Oui. Merci, hein. Merci. Et ben alors voilà, là, tu vois, là, justement, là c'est un samedi spécial. Spécial? Et pourquoi spécial? Oui, pourquoi? Et ben, parce que mon client avait la crève hier, et alors il a pas pu me dire tout ce qu'il avait à me dire comme il aurait voulu me le dire. Voilà, c'est pour ça qu'il va absolument le revoir pour le lui dire. Ah, mais lui dire à la semaine prochaine? Non, c'est un gros client. Très gros, hein. Moi, j'aime pas les gros. Combien il pèse? Des millions. Ah, les gros comme ça, j'aime. Tais-toi. J'ai rien dit. C'est à Dada que je parle. C'est à moi qui parle. Et enfin bref, comme c'est très important pour lui... J'en aurai pour tout le week-end, voilà. Tout le week-end? Ah oui, oui. C'est ce qu'il vient de me dire, hein. Les affaires sont assez dures. Enfin, laisse te parler, il est pas muet, non? Bon. Et tu vas le voir où, ce client? Ouf! C'est pas encore fixé, là, je dois le rappeler. Bon, mais je viendrai avec toi! Ah oui, voilà, ça c'est une bonne idée! Non, c'est pas une bonne idée. Pourquoi pas? Ah bah, parce que les conversations d'affaires devant une femme, ça fait pas sérieux. Pas sérieux? Moi, je fais pas sérieux! Tu trouves qu'elle fait pas sérieux? Non, il veut dire que ça distrait. Ah, mais je veux pas distraire ton client! Non, elle veut pas! Non, mais si elle est là, ça va me distraire moi, et je pourrais pas discuter avec toute ma tête! Bon, bah alors j'irai te rejoindre. Eh ben voilà, elle ira. Eh ben voilà, elle ira. Ça y est, là, tu vois, la vraie plaie s'est pointée. Bah. Hein, quelle plaie? Oui, laquelle? Non, rien, oh, toi, tais-toi, quelle plaie? Qui c'est la plaie? C'est moi la plaie? C'est elle la plaie? Pas du tout. C'est la phrase qui est la plaie. Quelle phrase? Oui, laquelle? C'est la phrase que tu as dite. Oh, toi, tais-toi, quelle phrase? Allez, dis-la. Dis-la la phrase que j'ai dite. Oui, dis-la lui la phrase. J'irai te rejoindre. Et pourquoi c'est une plaie cette phrase-là? Tu veux me dire pourquoi? Parce que c'est pas possible. Mais quoi, pas possible? Quoi, pas possible? Demande quoi, pas possible? Et on va lui dire. C'est. Eh ben parce que la vie va pas être possible, tu comprends? Mais ça, pas possible du tout, voilà. Ah, ça oui, parce qu'avec toi, Primo, y a rien de possible. Comme avec lui. Tais-toi. Deuxièmement, parce qu'avec toi, c'est tout le temps pas possible. Comme avec lui. Tais-toi. Et tertiaux, parce qu'avec toi, c'est jamais possible. Voilà. Oui, voilà. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas au restaurant qu'on aurait dû vous emmener. C'est à l'asile. Parce que vous êtes vraiment fondus, toutes les deux. Oh non, mais c'est ça, vas-y, traite-moi de givré pendant que tu y es. Ouais, pendant que tu y es, traite-la de givré. Oui, parce que c'est pas possible. Elle m'énerve, tu m'énerves. À lui demander tout le temps pourquoi c'est pas possible. S'il te dit que c'est pas possible. C'est que c'est pas possible, Alain. Pourquoi je peux pas lui demander pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est pas la peine de lui demander pourquoi c'est pas possible, puisqu'il te dit que c'est pas possible. Et il y aura plus jamais rien de possible si tu continues à l'emmerder. Avant. Avant? Avant quoi? Oui, avant quoi? Eh ben avant. Tu veux dire avant de consolider? Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Et moi je dis comme lui. Et lui aussi, c'est ce que c'est que pas possible, hein? Lui? Lui, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Oui, pourquoi tu parles de lui? Comment il t'a pas dit qu'il devait aller chez sa tante? Oh, mais t'as déjà été lundi! Et si ma tante m'appelle? Elle l'a appelé! Et tu dois y aller quand? Ce soir, il va y aller ce soir, hein? Ouais, passer tout le week-end avec elle! Parce que sa tante! Ma tête va voler! Et comme elle est pleine de sous et très à cheval, je peux pas aller le rejoindre avant qu'on soit consolidé! Oui, ça, je sais que c'est pas possible! Et ben voilà! Et ben voilà! Elle ne fait pas tout un foin si on lui dit que c'est pas possible. Elle sait que quand... C'est pas possible! C'est pas possible! Voilà! Alors maintenant que tout le monde sait que c'est pas possible, on va peut-être pouvoir enfin déjeuner tranquille. Oui, oh, oui. Je vois que ces messieurs-là ont tenté d'humiliciner. Oh, il est extra! Extra! Eh bien, si vous voulez bien vous installer, nous allons attaquer tout de suite. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce parcours? Oui, alors nous allons débuter cette randonnée avec la fiancée du commandant Cousteau, escortée de son équipage. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette fiancée du commandant? Eh bien, c'est une belle langouste désossée, farcie à la rosette de Lyon et à la confiture de coing. Oh! Ça doit être bon! Ouais, ça doit! Et l'équipage? C'est un méli-mélo de papillons de Cancale, frère palourd de Saint-Jacques aux violets, le tout haché menu et servi tiède sur une crème de châtaigne du Vaucluse. Marcel! Oui, chef! Présente ces messieurs dames à la fiancée du commandant. Oui, chef! Et avec ça, il n'y a pas de légumes? Oh, si! Une tartiole de salsifis à l'ananas. Chef! Quoi? La fiancée du commandant a dérapé. Et alors?
Alors, elle vient de descendre direct jusqu'au fond de la cage du monde-charge. Est-ce qu'on a sauvé l'équipage, au moins? Oui, chef! Eh ben, va le chercher! Oui, chef! J'étais contre ce déjeuner, moi. J'étais contre. J'ai été chercher le lait. Ah, c'est donc ça. C'est toi, Marie-Lou? Mais qui ça peut être d'autre? J'ai été chercher le lait. Bah oui, je vois, je te lis. Alors, comment ça s'est passé avec Roland? Alors, tiens-toi bien, il épouse. Non, il s'est décidé comme ça, brutal. Sans doute qu'il l'a mijoté. Et puis je l'ai un peu poussé. Alors là, je te fais confiance. Et il va répliquer ici, ce soir, avec des tas de papiers pour le mariage. Tu te rends compte? Mais c'est un peu si je me rends compte, c'est le pactole, quoi. Tout juste. Aujourd'hui, je suis rien. Et demain, je me réveille, Madame Roland Rodriguez. Ça sonne bien? Ah, ça pour sonner, ça sonne. Mais là, avec celui-là, je devrais être ta vraie bonne, comme je suis. Ah, pas question. S'il pensait que j'ai une employée de maison, ça lui paraît très louche, puisqu'il croit que je suis toute la semaine à Strasbourg. Ah bon, bah alors on fait comme avec les autres. Voilà, donc on ne change rien. Comme le loyer était trop cher pour moi, je le partage avec ma camarade interprète. Et moi, je continue à travailler à l'ambassade du coup de genre. Comme toujours. Bon, je vais mettre le lait au frais. Ok, moi je vais me faire belle, prendre un bain. Dis donc, c'était quoi le télégramme? Quel télégramme? Ben celui-là, mais tu l'as pas vu? Non, qu'est-ce que c'est? Ben je sais pas. Ah ça, non. Non, 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 ça alors non. Quoi? Quoi? Non, mais écoute ça. Il n'y a pas de grève, pour l'amour. À ce soir, ton gros Robert. Mais c'est pas vrai. Ah si, si, tout ce qu'il y a de vrai, ils l'ont dit à Énergie, c'est la grève des interprètes. Bah, et alors, qu'est-ce que ça change? Ah ben pour moi rien. Mais il a dû penser que t'allais pas à Strasbourg, alors il se pointe. Mais aujourd'hui, avec Roland qui sera là. Enfin, mets-toi à sa place, il croit qu'il est l'homme de ta vie, ton gros qui signe. Oh, mais c'est pas possible, pas possible, pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, alors d'abord tu te calmes. Mais tu te rends pas compte qu'il va tout me gâcher? Alors appelle-le, des commandes. Mais des commandes où, quand, comment? Il a jamais voulu me donner son numéro. Oui, mais celui de Roland, tu l'as? Mais t'es pas folle, non? Tu crois pas que je vais décommander Roland? Ben si, pour ici, puis tu vas le rejoindre ailleurs. Ça, c'est pas idiot. Ben évidemment pas. Seulement toi, tu paniques, tu paniques. Comment est-ce que je vais y dire ça? Dis donc, ça sonne. Ben oui, le téléphone. Allô? Est-ce que je peux parler à monsieur Roland? Non, non, je ne quitte pas. Ils sont moins cinq à le servir là-dedans. C'est un hôtel particulier. Mais pourquoi il vient ici alors? Parce qu'il veut que j'entre chez lui par la grande porte. Ah oui, mais aujourd'hui, même la petite, ça nous aurait arrangé. Allô, Roland, c'est vous? Oui, c'est moi. Comment? Ah, vous étiez en train de souffler dans l'olifant. Il souffle dans quoi? Dans un petit corps. Un éléphant, tu parles? C'est même un gros corps. Ah, vous changez de poste? Non, non, je ne quitte pas. Mais pourquoi il souffle dans cette bête? Je t'expliquerai. Allô, Roland? Demande-lui par quel bout il souffle dedans. Tais-toi! Oui, Roland. Pour moi, il est bizarre, ce Gus. Je vous appelle parce que... Ah non, 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 j'ai pas changé d'avis, pensez-donc, mais... Il y a une fuite. Il y a une fuite. Une fuite de quoi? D'eau, une fuite d'eau, la cuisine est inondée. La cuisine est inondée. Et on commence à nager. Et on commence à nager. Oui, oui, les ouvriers sont là, bien sûr. Allez dans votre villa à Deauville. Oh, mais Roland, ce serait merveilleux de s'aimer au soleil. À la télé, ils ont dit que là-bas, il pleuvait à verse. Le parapluie est à Deauville, ce que la tripe est à Caen. Tais-toi! Comment? Comment? Ah, vous pouvez être là dans une heure seulement. Ah non, 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 il n'y a pas le feu, bien sûr. Non, c'est une fuite d'eau. Ah bon? Bon, ben alors je vous attendrai en bas, devant le café des amis, à l'angle. Oui. Oh, je me réjouis follement. À tout de suite, amour. Ouf! J'ai sauvé la situation. Extra! Sors-moi ma valise. Qu'est-ce que je mets? Que de la dentelle. La panoplie habituelle, quoi. Oui, pour voyager, ça fait confort. Et bonne moralité. Bon, je vais le prendre, ce bain. Tu te rends compte, Marie-Lou? Non, mais tu te rends compte? Oh, ben, ça un peu, si je me rends compte. Ce Roland, même s'il souffle dans des bestiaux, je m'en souhaite un comme lui tous les matins. Allô? Oui? Ben oui, oui, c'est d'ici, de la part. Qu'est-ce que c'est?
une certaine Babette. Quoi? Eh ben ça, pour une surprise. Allô, c'est toi, ma chérie? Comment? Oh, ben bien sûr. Ben, tu penses si ça me fait plaisir? Ben, naturellement, on va en avoir des choses à se raconter. Oui, mais fais vite, hein, parce que je suis très pressée. Hein. Oui, Poutoune. Qui c'est? Ma sœur. Je savais pas que t'avais une sœur. Oui, bon, elle est puéricultrice. Elle élève des abeilles. Mais non, elle est jardinière. Ah, elle fait quoi comme légumes? Jardinière d'enfants. Ah oui, oh, je vois mieux. C'est une fille bien, ma sœur. Une fille très bien, même. Elle sait que tu te défends comme... Comme interprète. Et rien d'autre. Je te reçois 5 sur 5. Alors, comme elle vient juste pour la nuit, tu t'occuperas d'elle. Et qu'est-ce que je fais du gros Robert? Oh, je l'avais oublié, celui-là. Eh ben, tu lui dis que c'est pas la peine qu'il revienne. Pas plus le lundi que les autres jours. Vu? Vu? Allô? Oui? Ben oui, c'est ici, de la part... C'est Rodolphe! Oh non! Allô, oui, oui, je me préparais, j'allais prendre un bain. Dans 10 minutes en bas? À cause du yacht! Il a un yacht! C'est quoi comme chien? C'est pas un chien, c'est un bateau! Oh ben oui, ben avec toute la flotte qui tombe là-bas! Oui, 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 je pars comme je suis. À tout de suite, amour. On couchera dans le bateau. Mais j'avais compris. Ça sonne. Et ben, réponds. Allô, oui. Ben oui, oui, c'est ici, de la part... Jackie Fricard. Cette salope de gérante, fais comme si t'étais la bonne. Ah non, madame, l'ami Bizel, il est pas là. Ah non, il est sous la bonne, de Valencia. Si, si, Portugal. Ah, vous avez des infiltrations, ça fait mal. Au 5e, à l'appartement d'Idissus. Urgent, si madame le dirait, madame, au revoir, madame. Elle va venir. Quand? Elle a pas dit. Ah, une emmerdeuse. Ils sont mariés une teigne. Tiens, avec moi. Avant que tu viennes habiter ici, il m'avait déjà fait des tas d'histoires sous prétexte que j'en savais trop. 3 fois par semaine, tu parles. Ah, tu vois? Enfin bref, si elle voit Babette, il n'y a pas de Babette. Elle n'existe pas. Babette, c'est moi, c'est Darling. Et si elle te demande pourquoi j'ai cette tête... Ben, ou... je dirais que t'as la migraine, parce qu'il y a un mot que t'as pas su traduire. Ben, pourquoi? Ben, si Babette, c'est toi, elle est forcément comme toi, comme moi. On est toutes interprètes, quoi. Oui, très juste. Bon, finis ma valise. C'est fait. Alors, mes chaussures, ma poudre, ma brosse à dents... Je te prends le Vanity. Voilà. Je te commande pas, hein? Non, non, je sais, mais ça presse. Oui, oh là là. Et Babette qui n'arrive pas. C'est quand même trop bête de se manquer comme ça. Installe-toi. En attendant mon retour, il y a ce qu'il faut. Dans le placard, une grosse poutoune de ta darling. Voilà, tout y est. Oh là là. Et Roland qui doit déjà être en bas. Bon, ben je file, hein. Occupe-toi de Babette, j'ai mis un mot, je te confie tout. Mais oui, t'en fais pas. J'ai passé par derrière. Notre sortie de secours. Voilà, ça ira plus vite. Et reviens, madame Rodriguez. Compte sur moi, c'est bien parti. L'essentiel, c'est que ça revienne. Alors, décidément, les sonnettes ici, ça marche. Voilà, voilà, on arrive. Oui, c'est ici, merci. Quoi? Non, je suis pas de mauvais. Oh, super Floralie. Pas de carte, anonyme. Super Floralie, mais ça me dit quelque chose. Enfin, on va quand même lui donner à boire. Comme dit mon père. Allô, oui, oui, c'est ici. Ah non, madame, non, il n'y a pas de monsieur Rodriguez ici. De la part? Madame Rodriguez? Eh bien non, il n'est pas là, votre Rodriguez. Au revoir, madame. Non, madame Rodriguez, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ce turbin? Bon, ben, cette fois-ci, ça doit être la gérante. Il faut que je sois en bonne. Voilà, voilà. On arrive. Bon. Oh, ben, ça, alors. Oh. Oh, ben, dites donc. Je suis bien chez ma sœur. Votre sœur? Eh ben, oui, bonjour, c'est moi. Je suis Babette. Où elle est? Oh, ben... Elle vient de partir là. Vous vous êtes manqué de peu, mais elle était pressée. Ah oui, elle m'a dit. Mais c'est dommage. Elle sera là demain. Posez dans votre sac. Ça, alors, je reviens pas. Oh, que je vous regarde. Oh. Est-ce que vous pouvez lui ressembler à Darling? À Darling? Ah oui, j'oublie toujours
ans maintenant. Ah ben ça oui, depuis qu'elle est interprète, ça fait international. Oui, oui, ça se comprend bien. Alors comme ça, vous êtes sa bonne? Moi, moi je suis une camarade interprète. Je fais le Koudjarski, c'est une langue étrangère. Ah, c'est ça. Et à vous, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben moi, je suis partie de Tours pour venir chez mon fiancé, 3 jours. Coucher avec lui? Ah non, pas avant qu'on publie les bancs. Ah non? Ah non, il est très sérieux, mon fiancé. Il travaille à GDF. Ah ouais. Alors là, c'est bien, c'est utile le gaz. C'est ce qu'il me dit toujours, c'est sérieux. Ah donc vous êtes venue pour coucher chez lui, mais pas dans le même lit? Voilà, il devait me chercher à la gare, mais je l'ai pas vu en arrivant. Alors j'ai posé mon bagage à la consigne, et puis je suis allée mettre un mot sur sa porte pour lui dire que j'étais venue chez ma petite sœur. Ah ben oui, ben je vois. Regardez-moi ça, si elle est belle, ma sœur. Ah ben tenez, ici, vous allez faire comme si vous étiez votre sœur. Moi? Oui, rapport à la gérante qui est une pourrie. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben alors, elle va venir, c'est une teigne. Ah mais je peux pas dire à la gérante que moi c'est Darling. Mais pourquoi pas? J'ai pas des cheveux comme ça, moi. Et les ciseaux, clac, clac. Ça sert à quelque chose, hein? Ah oui, ça c'est juste. Ah mais tenez, elle vous a laissé un mot, votre sœur. J'ai été chercher le lait. Non, on va passer à la suite. Installe-toi en attendant mon retour. Il y a ce qu'il faut dans le placard. Une grosse poutoune de ta darling. Elle est gentille. Oh, et puis c'est bien chez elle. Ah bah oui, ça c'est bien. Bon métier quand même que de pouvoir se payer tout ça en faisant l'interprète. Ah oui, oui, tout ça grâce au jamais qui se tenait. Ça c'est une chance d'être douée pour. Ah ça, elle est douée pour être interprète. Mais j'y pense. Marche un peu pour voir. Oh ben non, pas comme ça, non. Comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on marche ici. Et il faudra que je marche comme ça? Oui. À cause de la gérante? C'est ça, bien balancé, oui, mais c'est impératif. Bon, alors là, tu as tout ce qu'il te faut pour être fraîche comme Darling, ben, tu n'as plus qu'à t'installer. Comme tu n'as pas tes bagages, attends un peu. Alors, voilà, ça c'est un peignoir, et puis ça c'est pour la nuit. Tout en dentelle? Ah, ici, c'est comme ça. Et puis ça, et tes pantoufles. Alors si tu as besoin de quoi que ce soit, moi je couche à côté. Et moi, où? Eh ben là-dedans. Oh, dis donc, il est grand, hein? Ben, c'est allé, quoi. Il y a de quoi se perdre. Mais non. On a sonné? Oui, il me semble. Qu'est-ce qu'il faudra que je dise? Bon, voilà, laisse, je vais m'en occuper de cette gérante, sans que tu sois là. Ah, oui, je préfère. Mais tu crois que je peux faire ma toilette pendant ce temps-là? Mais cette idée, t'es chez toi, je te dis, la salle de bain, là, surtout, tu ne bouges pas, hein, sous aucun prétexte, même si tu entends parler. Ah, ça, tu peux être tranquille, hein. C'est pas moi qui vais me montrer. Voilà. Oh, bah c'est pas trop tôt, hein? T'as le gâteau là? Pourquoi c'est ah, oui, hein? Ça t'étonne? Ah, bah oui, ça un peu! Alors, elle a bien reçu mon télégramme? Qui ça? Comment qui ça? Darling! Oh, bah non, alors ça, on n'a rien reçu du tout! Ah bon? Eh ben voilà, c'est la poste. Elle est en grève aussi. Alors, tu sais que c'est la grève des interprètes. Ah, hein? Bah, ça, forcément, je le sais, puisque moi-même. Alors, comme c'est la grève, me revoilà. Hein. Mais vous êtes parti d'ici à 5h du mat! Et alors, le vendredi, c'est mon jour, non? Ah, bon, je fais que Darling est là le samedi, je peux louper une occasion. Je dis pas, mais c'est que là! Là quoi? Elle est repartie pour Strasbourg avant l'annonce de la grève. Mais non! Et eh ben alors, y'a du tout! Oh, elle m'a mis un petit mot. J'ai été chercher le lait. À cette heure-ci? Bah non, ça c'est moi alors. Quoi, toi, je sais lire, non? Bah oui, je sais bien. Mais... Je vois bien qu'elle est sortie. Ah ben oui, c'est ça, voilà, elle est sortie. Bon, d'accord. Alors, installe-toi en attendant mon retour. Et comment que je vais m'installer? Non, mais là, il faut que je vous dise. Non, tais-toi, que tu es fatigante. Mais... Y a ce qu'il faut dans le placard. Une grosse poutoune de ta darling. Oh, épatante, cette darling. Épatante. Ah, regarde ce que j'ai apporté. Mais enfin, le whisky, ça me met en train. Mais on sait. Surtout quand j'ai soif. On connaît. Alors, on va s'en jeter un petit en attendant qu'il rentre. Non, mais là, il faudrait carrément mieux revenir demain, parce que ce soir... Ce soir, quoi? Ce soir, mais rien. Et ben alors, qu'est-ce que t'attends pour aller nous chercher de la glace? Maintenant. Et ben oui, tout de suite, pour être bon, là. Ben, allez, hop, une, deux, hop. Pendant ce temps-là, je prépare les verres. Le petit placard. On va ouvrir le petit placard. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le petit placard? On trouve le petit pipi, jaja, mama, du petit qui, du petit quoi, du petit riri. Ah,
voilà. Et bien, ça tombe très très bien, parce que ton petit rire est dans une forme olympique. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as jamais vu en pyjama? Non, c'est pas la première fois, mais... Et ben alors? On s'y fait pas. Hein. Alors comme ça, on fait des cachotteries au petit Riri. Moi, quelle cachotterie? C'est dans du lait ou de la mousse parfumée? Quoi? Qu'elle se baigne, la darling. Quoi, vous l'avez vu? Ouais, c'est tout comme. Tout comme, et bien elle se baigne même pas, là. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je m'assois. Non, mais tu rêves? Allez, pst. Ah non, pas du tout, hein, ce soir, darling n'est pas bien. Mais il n'y a pas plus tendre que moi avec les femmes. Je vais lui faire la surprise. Mais moi, je veux pas qu'elle ait la surprise pour que ça lui fasse un choc. Alors, je vais pas vous laisser l'emmerder, fatiguée comme elle est. Bon, alors toi, si tu restes là, moi, je te balance par la fenêtre. Ah, d'accord? Vous rigolez. Attends, j'ai pas fini, après, je vais la sauter dans la baignoire. Le mou, hein? Au choix. Non, c'est le programme complet si tu décolles pas de là, vu? Vu, en chit, en temps, match, ah oui, c'est... Parle-moi poli, non? Non, ça veut dire je peux rien faire de plus. Un coup de jarski, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ben maintenant, tu vas améliorer gentiment ta langue, là, dans ta volante, tout là-bas, là-bas. Oui, mais ça, on peut toujours faire des progrès. Ça va pas, mais crampons, hein? Il y a ta tira, tira, là, il y a du thé. C'est bien ça. Oh, c'est la surprise. La surprise. Ben, elle a dû renvoyer la gérante et aller se coucher. Oh, ça va me faire du bien à moi aussi. D'âge. C'est trop fort, ça! Oh, bah oui, tu penses une lichette. Tiens, voilà. Allez, bois. Oh! Quoi? Il y a la lune! Où ça? Là!
une de ces descentes. Oh, comme toi, hein. Surtout que celui-là, on dirait pas que c'est du 25 ans, hein. Ah bon? Pourtant, il me paraît assez costaud, celui-là. Ça, c'est rien du tout pour un homme fort comme toi. Il est fort, hein. Il est fort, hein. Oh, j'en suis sûr. Quoi? C'est la pleine lune. La pleine lune? Eh ben quoi? Tu te renasses? Regarde. Il est bon, hein. Ah non, 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 là, là j'ai atteint ma limite, hein. Ta limite? Avec des bons comme ça? T'as raison. Alors juste celui-là, et puis alors après, allez, ce coucou. Allez, ce coucou. Ce coucou quoi? Allez, se coucher. Ah oui, mais après, après. Parce que là, j'ai encore très, très, très soif. Hein? Alors... Attention. Alors, hello, Zaza. Hello, Zaza. Péritif. J'avoue. Oh, ça, c'est un reflet de la pleine lune, j'en suis sûre. Hé, Lily. La Lulu. La Lulu, c'est pas une raison pour perdre du temps. Allez, viens, on va inaugurer celle-là. Allez. Ça suffit. Ça suffit. Non, c'est moi qui sais quand on a assez. Et puis, ce whisky-là, il saoule pas. Ça, c'est un abus. C'est un abus de pas. Oui, ça. Voilà, la preuve, regarde-moi. Ouais. Eh ben, qu'est-ce que tu vois? Je vois ta sœur. Ma sœur, quelle sœur? J'ai pas de sœur. J'en vois deux belles comme toi. Marlene. Tiens, c'est pour ta sœur, ça. Non, 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 c'est pour toi. Oh, maintenant, on va au Lily pour ce coucou. Emmène ta sœur. Oui, elle vient, elle vient. Oh, c'est papa. C'est papa. C'est parti. Darling,
allumée, elle doit pas être bien loin. Chérie! C'est moi! Ah, mes fleurs. Comme elle les a reçues, c'est sûr qu'elle m'attend. C'est sûr. J'ai été chercher le lait. Ah ben, c'est donc ça. Installe-toi en attendant mon retour, il y a ce qu'il faut dans le placard. Je vais me gêner. Normal, la poitou, je suis chez moi. Je paie l'électricité. Une grosse poutoune de ta darling. Et bon, on la prend. Voilà. Épatante, cette petite. Réellement épatante. Elle a dû emporter un au pressing. C'est du super service ici, c'est du super service. Allô? Ça, madame? Ah non, j'avais pas une voix de femme tout à l'heure. Non? Y a pas de monsieur Rodriguez ici. Qu'est-ce que c'est que ces idées? Eh ben non, voilà, c'est ça. Au revoir, madame. Des erreurs, toujours des erreurs. Bon, histoire de se mettre en forme, je vais me faire une petite séance sur la terrasse. Et comme ça, dès qu'elle éteint, hop, la supprime. Non mais qui c'est encore à cette heure? Voilà, voilà, on arrive. Salut, salut. Ah quoi, c'est vous? Eh ben ouais, c'est moi, qui ça peut être d'autre? Ah bah alors là, personne, personne, hein. Alors, on tente d'être aussi en grève? En grève? Ah oui, bah oui, bah ça oui, hein. Mais comme il n'y a pas de grève, pour l'amour... Non mais c'est-à-dire que... Quoi, elle a bien reçu mon message? Qui ça? Comment qui ça, darling? Ah bah oui, oui, enfin non, donc c'est-à-dire que non. Comment non? Non, voilà, alors c'est moi qui l'ai reçu. Je savais pas comment vous joindre pour vous décommander. Vous décommander? Ah oui, oui, la grève a surpris tout le monde. Bah ça oui. Ah justement, darling, c'est la surprise à Strasbourg. À Strasbourg? Tu veux dire qu'elle est pas là? Ah oui, voilà, oui, oui, c'est ce que je veux dire. Ah oh, oui, mais moi qui me réjouissais. Ah bah je comprends, c'est sûr. Content que j'avais apporté de quoi nous régaler. Hein. Eh bah c'est bien simple, vous laissez là votre sac, puis vous revenez après-demain. Ah oui? Bah oui, oui, comme tous les lundis, quoi. Eh bah oui, puisque c'est votre jour. N'empêche hein. Qu'un peu de rap, ça m'aurait pas déplu. Ah bah je comprends, c'est sûr. Bon, bah, je vais l'attendre. Ah, mais non! Comme elle n'est pas là et qu'ici, vous n'avez rien à faire sans elle. Bah, ça oui. Vu que moi, ça vous intéresse pas que je vous fasse la conversation. Pas vraiment. Alors, vu que j'étais déjà couchée, vous rentrez chez vous tranquille, puisqu'on peut pas faire autrement. Puisqu'on peut pas faire autrement. On va faire avec, hein. Allez, salut, salut. Salut, salut. C'est par là. Oui, la sortie, je connais, merci. Ah, bah, oui, je sais, je sais. Non, mais ça m'embête, hein. Bah oui, bah, je comprends, hein, c'est sûr. On arrive tout comme ça. Puis, voilà. Dors bien, hein. Ah, tu peux compter dessus. À lundi. Oui, à lundi. Oh, à lundi. C'est ça. Et bon vent. Bon, bah, je m'en suis pas trop mal débrouillée. Je vais pouvoir aller dormir. Et on me prend pour un con. Hein. À Strasbourg, hein. Et son lit bien défait. Et ses chaussures. Et elle a même commencé sans moi. Et on me prend complètement pour un con. Hein. Qu'est-ce que c'est? J'ai été chercher l'air, bah ouais. Mon petit café au lait du matin. Installez un retour, est-ce qu'il faut dans le placard? Et comment qu'est-ce qu'il faut, mes petits pyjamas? Oh, une grosse poutoune de ta darling! Non, ouais, me foutre dehors parce que c'est pas mon jeu, on se fout complètement de moi. Où est mon petit pyjama? Il n'y en a plus qu'un? Allez, emporter les autres au blanchissage. Voilà, voilà. Allô, allô, oui. Ben oui, c'est ici. Quoi, Madame Rodriguez? Non, mais quoi, c'est encore vous? Ah ben oui, ah oui. Ah oui, j'étais déjà couchée. Ah non, vous commencez à me pomper l'air sérieux, hein? Bon, eh bien, si votre Rodriguez est un furtif, achetez un radar pour le détecter. Bonjour. Celle-là. On va me prendre pour un con, hein. À Strasbourg. Ah,
connais? J'ai pas le souvenir. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Chez vous? Je vous renvoie à la même question. Laquelle? Qu'est-ce que vous faites chez Darling? Chez Darling, c'est chez moi. Non, mais vous rigolez, hein? Vous allez voir si je rigole. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Du thé. Au citron, je parie. Vous avez gagné, avec deux rondelles. Eh ben moi, je prends du café au lait. Ah? Et qu'est-ce que les que ça me fout? Écoutez bien, hein. J'ai été chercher le lait pour mon café au lait, c'est clair. Permettez. Il y a ce qu'il faut dans le placard. Regardez. Qui vous a permis d'enfiler un de mes pyjamas? Mais je vous ai jamais autorisé à utiliser mon linge personnel. Faudrait quand même pas trop pousser le bouchon, hein. Fais comme chez toi en attendant mon retour. Vous entendez, c'est écrit, mon retour. Ouais, ça serait sa voix, ça. Oui, pardon. La preuve, pour annoncer mon arrivée, je l'ai envoyé ses super calices à pédoncule embrossé. Oui, alors, pédoncule ou pas pédoncule, hein. C'est signé une grosse poutoune de ta Darling. Ouais, cette grosse poutoune, ça serait sa voix. Non, à moi. Parce que moi, monsieur, je viens ici tous les lundis, depuis ce fabuleux premier lundi qui est resté mon jour. Et moi, je viens depuis un mercredi inoubliable qui est resté le mien. Non, vous plaisantez, je pense. Vous connaissez Darling depuis quand? Mais la date n'a aucune importance. Ah, mais si, hein. Mais non, quelle qu'elle soit, depuis la nuit des temps, toutes les semaines, le lundi est en avance de deux jours sur le mercredi. Oui, ça tient pas debout. Comment pas debout? Darling prend le train tous les mardis matins pour Strasbourg et ne rentre le lundi que pour ma soirée à moi. Erreur! Elle part tous les jeudis à l'aube et ne rentre que le mercredi suivant pour ma soirée. Ça, c'est vous qui le dites, hein. De toute façon, la question n'est pas là. Qu'est-ce que vous faisiez dans mon lit? Mais puisque c'est le mien, une grotesque, ce lit m'a coûté 18 643 francs. À moi, elle était facturée 23 005. Plus cher que le mien. Ah oui, mais c'est énorme. Ah oui, énorme. Je vous signale que j'aligne 10 000 par mois pour le loyer de ce studio. Je paye bien la même quittance. C'est énorme. Ah oui, énorme. Et j'ajoute à titre indicatif que mon dernier cadeau a été... Un manteau en peau? Avec un col... Et sa garniture de vison sauvage, ouais. Que Darling a été achetée elle-même. Et que je lui ai remboursé. Quand elle m'a montré une facture énorme. Oh oui, énorme. J'ai bien payé la même facture. Ce qui tendrait à prouver... Que vous n'êtes pas l'homme de sa vie. Puisque c'est moi. Non, moi. En revanche, si elle fait croire à chacun de nous qu'il est le seul. Alors que nous sommes deux, c'est qu'il y a un loup quelque part. Oui, et même un gros. Oui, bon, écoutez, vous m'avez l'air de bonne foi. Ouais, vous aussi. Il n'y a qu'à mettre Darling devant le fait accompli. Mmh. Quand elle sera revenue d'avec votre lait? Bah, elle est rentrée, elle est là. Ah bon? Bah oui, bien. Alors, celui qu'elle choisira... restera maître de la situation. Vous acceptez? Oh, mais comment? Non, il n'y a plus qu'à vous retirer. Pas si vite. Il est bien entendu que sa première réaction sera considérée comme la bonne. D'accord? D'accord. Eh, c'est énorme. Oh oui, énorme. Attention, la voilà. Oh, ce bain m'a fait un bien. Je tombe de sommeil. Oh, oh là là, oh, ma grande Darling. Qui êtes-vous? C'est moi, Darling. Mon grand! Oh là 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 là! Mais tu dors! Oh oui, c'est ça, oui! Eh ben, réveille-toi, regarde! C'est ton grand Bernard! Mon grand! Dis-lui que t'as été chercher mon lait! Non, la grosse poutoune, elle était pour moi! Non, mais écoute, vous voyez bien que je dors à moitié! Vous m'étouffez! Oh, dis-lui que c'est moi que tu aimes! Non, moi! Écoutez, vous m'avez mal interprété, hein! Ah non, pardon, ça! Prends le chèvre à qui cette année maintenant, on s'en fout! Hein. Ah, complètement, hein! Dis-nous en français qui tu préfères! Qui je. Eh ben, tous les deux, là. Ah oui, c'est sans doute pour ça qu'on paye chacun entièrement le loyer. Ah bon? Ah ben, ça prouve que vous êtes chacun entièrement chez vous quand vous y êtes. Mais ton manteau, c'est lui qui l'a payé? Oui, j'ai payé son manteau. Le manteau, ah oui. Eh ben, ça c'est pour ne pas faire de jaloux. Comme ça, vous m'avez offert chacun un manteau. Mais puisque t'en as qu'un... Ah oui, mais ça, c'est pour vous faire faire des économies. Parce que si j'en avais acheté deux... Ça lui aurait pas coûté plus cher. Bien sûr que si. Au lieu de payer chacun un manteau, vous en auriez payé deux. Autrement
Autrement dit, vous auriez payé deux manteaux quatre fois. Donc, ça vous aurait coûté le double. Ah ouais, ça c'est juste. Ouais, t'es doué en calcul mental, toi, hein. Et puis après tout, si vous êtes trois dans ma vie... Comment trois, hein? Trois? Eh bien, oui, vous deux, avec moi. Trois. Alors, tu nous partages? Mais non, je partage pas, parce que je vous ajoute. Mais si tu nous ajoutes, toi, tu te partages entre nous. Ah non, je coupe les poires en deux. Quelle poire? Oui, c'est qui, la poire? Eh ben, vous. Enfin, je veux dire que je garde la meilleure. Moi? Oui, oui, non, oui, les deux. Enfin, séparément, vous n'êtes pas parfaits. Mais ensemble, vos qualités s'ajoutent et vous formez un tout très bien. Alors comme ça, je peux avoir l'illusion du bonheur. Et c'est bien ce que vous voulez, n'est-ce pas? Que je sois heureuse. Et t'as croqué, hein? Oui, t'as croqué. Oui, bon, ben, vous me croquerez une autre fois. Hein? Tu t'es fait couper les cheveux? Ah oui. Ah oui, ouais, c'est joli tes tire-bouchons, là. Oui, mon Dieu, c'est affreux. Quoi? On a sonné. Oui, alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Eh ben, c'est la chambre. Mère, mère, mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Enfin, vous, je vous croyais parti, vous, je vous savais pas là. Mais oui, mais on s'expliquait. Maintenant, on sait tout. Tout? Ah bon? Ben, vous savez qu'elle est... Que je les aime tous les deux. Voilà. Voilà. Mais c'est tout. Quand la gérante a sonné. Mais oui, mais j'ai entendu cette teigne, je vais m'en occuper. Je me charge de la foutre dehors, moi. Ouais, moi aussi. Ah non, ça nous créerait trop de problèmes, Darling. Alors allez vous planquer dans la salle de bain. Ouais, pourquoi? Vite, ça vous demande pas le droit. Dépêchez. Parce que moi, les gérantes, hein. Je peux pas les blairer. Et puis ne bougez plus là jusqu'à ce que je vienne vous chercher. Ah non, non, pas toi. Ah, bah, je préférerais pas la voir non plus. Toi, tu vas dans la cuisine. Parce que je voudrais pas que ces deux-là. Oh, ils sont pas méchants, hein. Juste un petit peu turbulent. Je voudrais pas que cette turbulence, ça leur donne des idées à te voir comme ça. Oh bah si tu crois. Oh, je sais ce que je dis. Allez, allez, prends tes pantoufles. Et puis grouille toi aussi. Allez, bon, alors je t'attends là-bas. Ah, oui, mais oui, mais oui. Voilà, voilà. Non, ça... Est-ce que c'est des heures pour venir emmerder le monde? Qu'est-ce que c'est? Je suis bien ici chez mademoiselle Darling Cherie. Mais oui, absolument, entrez. Ah, merci bien. Bonsoir, madame. Bonsoir. Mes hommages. Oui, d'accord, enfin, mais je croyais que c'était votre femme qui viendrait. Ma femme? Ben oui, la gérante. Ah non, pas du tout. Ben alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, permettez-moi de me présenter d'abord. Raymond et mon garçon Marcel. Oui, je suis son garçon. Je vois bien que c'est pas une fille. Ah non, pardon, non, non, excusez-moi, non, je veux dire que nous sommes tous les deux de la maison du marquis de la Grandière. Un marquis? Vous avez une couronne? Oui, en or. Non, non, je veux dire que j'ai aussi cinq fourchettes. Cinq fourchettes? Oui. Pas de couteau? Ah bah si, tout ça est au restaurant. C'est un resto? Oui, et comme M. Rodriguez vous a commandé pour ce soir, au lieu d'envoyer n'importe qui, j'ai préféré venir moi-même avec mon garçon. Pour présenter le cardinal. Ah oui, oui, c'est pour le mariage religieux. Je vous demande pardon. Si vous attendez le cardinal. Ah, mais il est avec nous. On n'allait pas le laisser sur le palier. Mais il est où? Dans son casier. Voilà, j'ai du mal à vous suivre. Chef, j'ai l'impression qu'elle croit que le cardinal, il se tient debout comme un évêque. Ah non, 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 pas du tout. Non, voyez, oui, il s'agit d'un cardinal décapode. Ah, c'est un grec. Non, c'est un breton de Concarneau. Et il a cinq paires de pattes. Voilà, il y en a deux comme ça, là, et puis les autres... Et là, en fond, ben, voilà, et alors avec sa queue, il avance comme ça. Des capotes. C'est normal, ça? Oui, c'est normal pour le homard. Ah, c'est dur! Oui, c'en est un. Alors, je déballe l'outil, chef. Plus tard, je voudrais d'abord parler à M. Rodriguez. Eh ben, il n'est pas là, il est parti pour Deauville avec Mademoiselle Chérie. Allons, bon. Puis alors, figurez-vous qu'entre-temps, la sœur de Darling est arrivée. Elle mène une vie, quoi. Oh, je vous dis pas. Oh, ne le dites pas. Allez, je vais vous le dire quand même. Elle a profité de l'absence de Darling pour coucher avec trois hommes. Dis donc, chef, c'est tempérament, la sœur. Marcel! Oh, ce serait catastrophique pour Monsieur Rodriguez qu'en arrivant, il trouve tout ce petit monde. Dans le plumard! Marcel! C'est sûr, le mariage de Darling, il sera foutu. Alors vous pourriez pas m'aider? Oh, mais si, très volontiers. Pour Monsieur Rodriguez, je ferai n'importe quoi. Hein. Oui, mais quoi? Je ne vois pas. Eh ben, y'a qu'à bloquer le champ de manœuvre. Elle va le bloquer comment? En l'occupant. En l'occupant comment? Y'a qu'à s'y mettre. Oh, il est intelligent, votre fils. Tiens, ouais. Oui, mais il mettra qui? Ben vous. Moi? Ben oui, vous et cet enfant. Et alors, si vous y êtes, si vous y êtes, c'est
ça, il est affaire que pour Monsieur Rodriguez, cette solution... Elle sauverait tout, croyez-moi, Darling, n'est pas une ingrate. Oui, chef, je crois que j'ai... J'ai crois que j'ai une très bonne idée, là. Oui, mais alors, voyez-vous, après, pour servir le cardinal, on va être tout froissé, et le pantalon est fragile. Ah ben, ôtez-le. Oui, il n'y a qu'à l'ôter, chef. C'est bien ce que je dis. Marcel. Oui, chef. Il ne faut reculer devant rien pour Monsieur Rodriguez. Exécution. Allez, donnez-moi ça. Voilà. Marcel. Oui, chef. Comme ça, vous sauvez la situation. Et vous aussi, donnez-moi ça. Et puis, ne bougez plus de là, hein. Compte sur moi. Et si cette heure se pointe, je vais m'en occuper, moi. Non, non, Marcel. Alors, non, mais pas dans la mousseline avec les chaussures. Donnez-moi ça. Oh, et puis vous... Et là... Oui. Voilà, madame. Donnez-moi ça. Voilà. Et puis, bloquez-vous bien, ne bougez plus jusqu'à ce que j'ai viré tout le monde. Dans ces conditions, Marcel. Oui, chef. Exécution. Allez, allez, bien, gentil là-dessous. Voilà. Voilà. Oh, bah, t'arrives bien, toi. Figure-toi, c'était pas la gérante. Oh, bah, justement, je le pensais. Elle va vouloir visiter. Ah, bah, oui. Bah, qu'est-ce qu'on fait du petit Riri? Eh ben, y a qu'à le mettre là. Ah, non, là, c'est que... Ah, bah... Ouais, enfin, plus à moi. Allons-y. Quoi? Oui, oui, non, j'ai rien dit. Vas-y, vas-y. Ah. Allons-y. Allons-y. Oh, Darling. On va au Lili. On va au Lili. Hé, Darling. Oui. Tu es belle, madame. Eh oui, elle est belle. Elle est belle. Prête pour moi. Allez, sache. Couchez. Bon, alors, je vous ferai d'abord visiter, là. Bon, alors moi, je retourne dans la cuisine. Ah non, non, Poudou, toi, tu vas dans la salle de bain. Alors, j'emmènerai la gérante de là, là. Et puis toi, pour l'instant, là, tira de là, là, avec les deux autres. Bon, mais comment est-ce que je saurais qu'on peut passer? Ah oui, mais là, je sais pas, je dirais, nous payons régulièrement le loyer, ça voudra dire, la voie est libre. Bon, alors, je vais les faire patienter là-bas. Oui, mais te laisse pas embêter, hein. Oh non, 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 je commence à comprendre, hein. Mais c'est pas simple, hein, la vie d'interprète. Ça, c'est sûr, il y a des jours comme ça. Bref, wow. Il y a un homme dans le lit qui est trop chaud. Ah bon, il est trop chaud? Oh là là, brûlant, brûlant. Attends, j'ai peur. Eh ben dis donc, si j'avais su que c'était ça la restauration, j'aurais fait coiffeur. Je vais t'expédier cette gérante. Qu'est-ce que c'est? Comment? Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi passer. Et puis on n'entre pas chez les gens comme ça, hein? Moi si, je sais que vous cachez un homme ici. Pourquoi pas cinq pendant que vous y êtes? Oh. Je marque tout l'appartement. Pas question. Boum. Eh ben je vais appeler la police. Eh ben vous énervez pas, vous verrez qu'ici il n'y a personne. Si vous voulez bien me suivre. Oh. Comme vous pouvez voir, c'est inhabité. Oui. Et les autres pièces? Eh bien là, nous avons l'escalier de service et nous payons régulièrement le loyer. Ben oui, quand on loue. Non mais je vous le dis pour que vous le sachiez, nous payons régulièrement le loyer. Oui, bon ça va, je suis pas sourde. Alors là? Eh bien là, il y a d'abord la cuisine puis une chambre et nous payons régulièrement le loyer. Oui, bon ça va, j'ai compris. Voilà, pressons, pressons, mais je vous dire, dépêchons-nous. Je prendrai tout le temps que je veux. Venez vite, c'est le moment. Elle est là-bas. Mais c'est vite, dépêchez-vous. Là, voilà, planquez-vous. Planquez-vous tous les deux, il faut qu'elle voit personne. Planquez-vous, je vous dis. Mais grouillez, grouillez. Voilà. Mais bien sûr. Allez, puis. Restez pas comme ça. Ça va bien faire, non, non, non. On n'a pas cédé une habitude. Grouillez, je vous dis. Doucement, doucement. Allez, ça pousse. Pas de discussion. Grouillez. Attention. Voilà. Alors, tirez pas la couverture, hein. Ça, c'est un tort. Oh, mais vous ne faites pas ou quoi? Eh bien non, des fois, ils se coincent. Alors là, vous avez la salle de bain. Personne n'est satisfait. Ah oh, ben ça, c'est Mademoiselle Chérie. Alors comme ça, c'est toi, Darling. Voilà, voilà. Oh, mais ta tête me dit quelque chose. Ça, ça m'étonnerait. Bon ben, au revoir, madame. Au revoir, tu rigoles. Je partirai pas d'ici sans avoir trouvé ce que je cherche. Oh, écoutez... Moi, j'ai sommeil. Alors, revenez demain pour les infiltrations. Les infiltrations? Oui, oh, faut pas me prendre pour une andouille. Oh, on peut pas confondre, hein.
douille, c'est bon. Où est Richard? Richard? Quel Richard? Richard, il t'a fait un télégramme du resto, mais comme il a oublié de le payer, il me l'a redonné sans l'avoir envoyé. Je profite de la belle grève, attends-moi, j'arrive. J'arrive, donc il est ici. Mais puisqu'on vous dit qu'il n'y a personne. Tu as fait ce bruit? Quel bruit? Oui, lequel? Ce gémissement. Quel gémissement? C'est moi. Oh, c'est elle, elle gémit de temps en temps. Lève-toi, allez, dégage, vite, j'ai un flingue dans mon sac et je vais tirer. Et toi, sors de là. Et donc là, j'en suis pas. Ah non, elle tirait pas sur mon garçon, hein. Mais qui c'est celui-là qui est avec son père? Alors vous, le père et le fils, sortez de là. Bien, madame. Marcel. Oui, chef. Et votre tête me dit quelque chose. Oui. Oh, mademoiselle, vous êtes rentrée. Mais enfin, vous voyez bien, comme Roland n'est pas encore là, il attend dans la cuisine. Ça vaut combien, parce que comme on n'a rien à faire là, Marcel. Oui, chef. Mais reculez-vous. Oh oui, ça sera mieux. Ça sera beaucoup mieux, Marcel. Quel bordel là-dedans. Ah oui, ça, c'est pas chier pour vous faire la. Et moi, je peux me rhabiller? Si tu veux. J'ai beaucoup de patience, mais je vais tirer. Non, eh non, eh, eh non, je vous assure, hein, j'y suis pour rien. Hein. Oh, mais ça, je me doute. Écartez-vous et sortez de là. Allez. Oui. Oh, non, poutou, il va te dépêcher, celui-là. Oh, il y en a encore un. Oui, bon, ben, oh, tire pas de mon... Oh, quoi, c'est toi? Eh, tu vois bien. Oui, Riri. Mais tu l'as dit, parti chez son client. Oh, c'est ça, comme toi, t'es chez ta tantine. Laisse-moi t'expliquer. Rien du tout. Heureusement, dada m'attend en bas. Dada, dada, monte vite. Mes fringues. Oh, pas question. Je veux que Dada te voit comme ça, sortant de ce plumard. Oui, mais moi, j'y suis pour rien. On sait. Alors, mes vêtements, c'est oui, parce vas-y, que... Vas-y, vas-y, vas-y. On bouge plus. Alors, je peux pas aller me changer? Ah si, parce que comme ça, t'es vraiment moche. Ben, y'en a qui aiment. Eh ben, pas moi. Ah, gentille. Où la sonnée? Oui, c'est Dada. Alors, tu vas ouvrir vite. Et toi, si tu fais un geste... Il est chargé, ton sac. Tcha-tcha, mambo. Eh, taxi en bas, il est antillé. Oui, eh ben regarde d'abord l'antillé que t'as là. Bon, eh ben je vous laisse laver votre linge en famille. Mais alors faites vite, hein, parce qu'ici, on fait pas pressing. Mmh, il est pas joli? Oh, ça, il est beau. Oh, mais ma dada, elle s'imagine des choses. Oh, et toi, t'imagines pas qu'elle va faire sa vie avec un macho pareil? Ouais, tu t'imagines pas qu'elle va faire sa vie avec? Mais ma dada... Y a plus de ta dada. Je veux plus te voir, nous deux c'est fini, et nini terminus. T'as entendu, elle t'a dit terminus? Oui, alors moi je vais te dire. Eh ben moi tu diras, mieux ça vaudra. Et tu te tires. Et tu fais comme elle a dit. Pardon. Et ton riri? Oh, celui-là, quand je vais tomber dessus, c'est... Oh! Mais qui je vois? Mais qui je vois? Oh, je le vois aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Eh ben on va le savoir. Oh, il y a ton copain qui te demande. Dodo. C'est toi. Oui, c'est moi. C'est alors, tu ne shoot pas un mot, sinon... Non, tu peux pas. Tu vas te tirer vite fait. D'accord, on y va, on y va. Non, 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 avec lui. Avec celle. Avec... Qu'est-ce qu'il fait en pyjama, lui? Ben, il t'expliquera ça dans l'escalier. Et dépêche-toi d'y aller. Oui, et du balai. Et rapide, parce que sans ça, je... Ah ben, faut répondre au téléphone. Oui, allô, ne quittez pas. Faut appeler la boniche. Et vous deux, si je vous revois, pompon. Ouais, pompon, elle l'a dit. Oh, peux-tu même pas sortir comme... Où sont tes fringues? Par là-bas, là, je dis, là-bas. Avec Doro, c'est râpé. Hein. Avec Dada aussi, hein. Ah, oui. J'arrête de... Alors, j'aurais mieux fait de continuer de venir que le lundi. Et moi, je viens tous les vendredis. J'en ai rencontré un troisième qui vient le mercredi. C'est pas vrai? Le petit croc, Darling, ne foutait jamais les pieds à Strasbourg. Ah, si, si, à nous attendre. Chacun son jour. Chacun son tour. Un peu fortiche, cette petite. Beaucoup trop intellectuelle pour moi. Tu la tête au service du... Dis donc, être en société anonyme comme ça par les temps qui courent, hein, restons prudents, quand même. Hein. Ça pourra faire des économies. D'autant que ma femme rentre de vacances demain soir. La mienne arrive de Biarritz mardi. Il y a l'eau pas possible qui rapplique, on s'habillera dehors. Ouais, parce que dans l'état où elle soit, elle fera n'importe quoi. Dis-moi, 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 dis-moi. Dis-moi. Combien il t'a coûté le lit? Le lit, 33 000, pourquoi? Allô, oui, oui, Bertrand, mais qui c'est ça, Bertrand? Quittez pas. Alors là. Oh, et ben maintenant, ma bichette, on retourne à la case départ. Dis donc, c'est quelle marque, le flingue? Oui. Paf, paf, Guerlain. Oh, j'y ai drôlement cru. Il a juste dit Bertrand. Alors, c'est bien lui.
C'est bien lui. Allô, c'est toi mon trésor? Oui. T'as trouvé mon mot? Oh, bah bien sûr que j'arrive. À tout de suite, trésor. C'est mon fiancé. Ah bon? Encore un? Ah non, c'est le seul, il m'attend. Je vais me marier. Et toi, encore merci pour tout, hein. Poutoune, c'était avec plaisir, tu sais. Je me presse, hein. Je veux pas qu'il s'impatiente. Eh bien, mesdames, je pense que tout est dit. Oui, tout. Alors, bon vent. Oui, on... Et ben voilà, je suis fin prêt. Ah, oh ben oui, comme ça, c'est plus présentable. Remarquez, le pyja vous va pas mal non plus. Eh, dis donc, tu vas pas l'emballer? Je suis content que ça vous plaise. Parce que vous, d'un autre côté, des cheveux comme vous avez, moi, ça me rend dingue. Doucement, doucement. Oui, faut pas tirer dessus. Ah bon? Ça vous embête pas si ma copine nous accompagne? Bien au contraire, je demande pas mieux. Alors, tu suis, Dada? Oh, moi, je suis toujours. Tcha tcha, macho, chouchou. Et en plus, si on m'embête, eh ben, je peux griffer. Eh, j'ai perdu une clé. Non, c'est fait exprès, c'était la clé d'ici, mais j'ai pas l'intention de revenir. Pourquoi? Dans mon lit, il y a trop de monde. Ah bon? Dis donc, j'ai pas pu te le dire devant le chef, mais des bas noirs avec des souliers rouges, c'est ma pointure. Ah bon? Et ben alors, appelle-moi là, qu'on se voit. Oh, et toi, tu vas voir ce que tu verras. Ciao! Mambo, Bobo! Téléphone! Allô, oui? Ben oui, ah, c'est toi, Babette? Ben, tu m'appelles du taxi? Ah, ben oui, il est là, ton petit sac. Oui, ben tu viendras le chercher. Oui, ben non, mais je lui dirai. T'en fais pas. Ah, ben c'est toi! Attends, non, c'est elle qui vient d'arriver, quitte pas. Attendez, Roland! Qu'est-ce qui se passe? Voiture en panne, il a voulu revenir. Comment ça va? Tout baigne. Bon, alors fais-le entrer. Et ma sœur? Elle est là-dedans. Oh, d'accord. Allô, c'est toi, ma chérie? Bah oui, oui, on a encore dû se croiser. Bah bien sûr qu'on se voit demain. Oui, poutoune. Mais venez, Roland, venez. C'était ma sœur. C'est bien joli. Oh, c'est très modeste. Ah non, c'est mignon, c'est mignon. Je présente ma collègue interprète, Monsieur Roland Rodriguez. Très heureux. Moi de même, mon amiral. Je ne vous dérange pas, au moins. Mais pensez donc, on l'attendait plus que vous. On vous a livré le souper. Mais oui, il est dans la cuisine, je vais vous le chercher. Voilà. Installez-vous, chérie. Ah oui. Chez moi, vous êtes chez vous. Ah, monsieur Roland. Ah, bonsoir, bonsoir. Eh bien, comme vous nous l'avez commandé, je vais vous présenter le cardinal des mers dans son costume de téléphone. Allô, oui, oui, c'est ici. Ah, ben oui, oui, ça, il est là, oui. De la part de Madame Rodriguez. Quoi? Mais oh non! Passez-la-moi. Ah, mais non, ça va pas se passer comme ça, hein. Allô, oui, 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 c'est moi, oui, oui, bien sûr, oui. Mais comment savez-vous que je suis, c'est... chez la Grandière? Alors bravo, un chapeau, merci. Me faire ça, moi? Juste après ton départ, elle avait déjà téléphoné, sa femme. Ça alors? Ne vous énervez pas. Bon, alors, je vous l'amènerai ce soir à 5 heures, voilà. Oh, ma chérie, il faut absolument que je vous avoue. Ah, non, 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 inutile. Vous pensez quand même pas que je vais accepter une situation pareille? Mais elle tient absolument à faire votre connaissance. Eh ben, moi, je ne veux pas la voir, là. Mais pourquoi? Mais enfin, voyons, c'est ridicule. Vous la trouvez très sympathique. Oh, sympathique ou pas, très peu pour moi, les ménages à trois. Enfin, mais qu'est-ce que vous me chantez, enfin, voyons, darling. Je vous assure que vous plairez beaucoup, beaucoup, beaucoup à maman. Maman? Ben oui, à maman. À madame, votre mère? Ben naturellement, qui voulez-vous d'autre?